Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur GD Night. Plein de choses qui ont changé, on va prendre les choses dans l'ordre, mais ce qui n'a pas changé, comme dirait Dalida, c'est la team, effectivement. Mehdi pour vous servir dans la grande mythologie, tandis que je vois que ça fait crisser du micro pour l'animation, mais effectivement je suis pas seul à l'animation, je suis pas seul dans la team parce que je suis avec Germain. Salut Germain. Salut salut. Et avec Greg, Grégory, hello. Salut. Et vous aurez remarqué effectivement une quatrième personne parce que vous êtes observateur et vous aurez remarqué que nous avons avec nous Michael et qui est Orioto. Salut. Salut à toi. Et on va expliquer d'ici quelques secondes pourquoi tu es là, pour expliquer un petit peu aussi ce que c'est que GD Night, parce que peut-être que certains vont nous rejoindre avec cette émission. GD Night, donc, c'est une émission qui vous parle chaque semaine, tous les lundis à 20h, de game design. Et on essaie de le faire de manière un petit peu, on va dire, appliquée, en restant à la cool et avec surtout des exemples concret d'analyse du game design. Et cette semaine, on s'est un petit peu questionné sur les jeux qui permettent de créer des expériences de jeu. Alors, on va tout de suite vous donner un exemple, et c'est aussi ce qui va justifier pourquoi Michael est avec nous ce soir. C'est le jeu Dreams sur PS4. Donc Dreams, développé par Media Molecule, à qui on doit Little Big Planet, à qui on doit aussi Tear Away, et qui en l'occurrence permet de créer des mondes. On va un petit peu parler de tout ça, vous aurez des diffusions d'extraits et tout. Ne vous en faites pas, et sinon, vous rappelez que, évidemment, GD Night, ça fait partie de la grande mythologie des podcasts, hein, comme vous l'avez magnifiquement sur ce nouvel habillage, cette nouvelle régie, Jean Bafouille, qui nous est offerte par Citram, rendons à César ce qui est à César. On en reparlera un petit peu aussi en fin d'émission. Messieurs, quel bout on commence ? Est-ce qu'on commence à parler de Dreams ? Est-ce que vous vouliez planter un petit peu le décor sur les jeux qui permettent comme ça de créer eux-mêmes des expériences de jeu ? Tandis que je remercie Schneekiter de nous rejoindre pour son solo. Et très, très beau pseudo Schneekiter. Mais je crois que Greg avait une idée d'introduction, donc je vais le laisser se lancer. Oui. À tête chaude. Allez. À tête chaude. Rodriguez. Rodriguez. Écoutez, ouais, l'idée, tout simplement, c'est aujourd'hui, on va parler, comme l'a très bien dit Mehdi, de jeux qui permettent de faire des jeux. Et donc, plus généralement, de la posture de joueur-créateur. Parce que effectivement, créer un jeu, c'est un métier. Mais les joueurs peuvent aussi, de par l'expérience qu'ils ont eue, de tous les jeux qu'ils ont pu jouer, etc., et tout le bagage culturel qu'ils ont, créer des jeux. On a de plus en plus d'outils qui sont très faciles d'accès. Y a des tutos sur Internet, etc. Et on a des jeux vidéo qui, eux, sont pensés pour permettre aux gens de créer des jeux. Donc on a le cas comme avec Dreams, ici, qui sont vraiment des jeux outils où il y a beaucoup de possibilités. Et on a aussi des choses un peu plus spécifiques avec des éditeurs de niveau, comme par exemple on pourrait l'avoir sur un Mario Maker. On ne va pas faire autre chose que du Mario sur un Mario Maker. Voilà, donc c'est deux grandes catégories. Et on va pouvoir montrer un petit peu les possibilités, qu'est-ce que ça implique et à quel point justement le game design est important, notamment dans les jeux comme Dreams, où voilà, vraiment on peut faire beaucoup, beaucoup de choses et où on va pouvoir voir notamment des adaptations de jeux existants dans ces moteurs-là faites par des joueurs. Et voir qu'est-ce que ça implique en termes de différences, de points qui peuvent être améliorés, etc. On va découvrir un peu tout ça tous ensemble. Et tous ensemble, comme je le disais, on va lui laisser son temps, son moment, sachant qu'il n'est pas étranger à l'univers des podcasts, hein, Michael, parce que c'est un habitué d'une autre émission qui s'appelle entre autres le Catchacast. Hein, et Michael, toi, tu es principalement illustrateur sous le nom d'Orioto, O-R-I-O-T-O, hein, comme ça se prononce. Et tu vas nous expliquer en partie aussi la raison de ta présence par rapport à Dreams ce soir et pourquoi tu as gentiment accepté notre invite. Disons que j'ai tenté de faire pas mal de choses avec Dreams, parce que j'étais assez curieux à la base de ce que ça permettait. Mm. Étant donné que ça fait longtemps que je veux faire des jeux vidéo en tant qu'artiste, mais que je bloque un peu au niveau de la programmation. Ouais. Et donc Dreams, du coup, c'est un peu c'est un peu la proposition de Dreams, c'est d'avoir une approche assez justement intuitive qui va permettre aux artistes qui sont pas forcément codeurs,
d'arriver à faire des choses par eux-mêmes. Et à ce niveau-là, ça remplit pas mal. Ouais. Eh ben, très bien, on en parlera. Et plus précisément, hein, ce que tu peux nous dire concrètement sur Dreams, en Oui, bah, l'occurrence. j'ai commencé par faire un petit jeu, mais qui est très court, un jeu de plateforme en 3D, mais qui est très bien, ceci. Et après, j'ai essayé de faire un jeu un peu plus compliqué que j'ai malheureusement jamais pu terminer. Parce que pour le coup, j'ai quand même dû avoir un peu d'aide pour faire tout ça. Et le problème, quand on a de l'aide, c'est que quand on arrête de nous aider, ben, on ne peut pas terminer. Donc, c'est toujours un peu souci. Donc oui, j'ai bossé quand même pendant plus d'un an sur différentes choses sur Dreams. Donc, dont un gros projet donc, qui s'appelle Feu Follet, qui est un jeu qui était censé avoir plusieurs mondes, plusieurs niveaux, avoir une vraie durée de vie de jeu plateforme avec un mode story, avec tout un tas de choses, des choses à débloquer et tout. Et malheureusement, il n'y a qu'une démo qui est disponible, Ouais. qui en plus ne marche plus. Enfin, il y a, Donc, y a, le pre, y a que le premier niveau, voilà. Tu vois, voilà, il n'y a que le premier niveau. pas qu'elle ne fonctionne pas, mais il y a d'autres créations Voilà. que tu as mis à disposition qui sont encore là. Voilà. Ouais. Normalement, j'attends d'avoir une PS5 pour pouvoir faire des captures, au moins de ce qui a été fait, ce qui n'a pas été publié, à une bonne qualité. Parce que voilà, sur PS5, on peut capturer en 4K Dreams. Alors que sur PS4, on peut capturer qu'en 720p, très compressé. Ouais. Donc, aussi des problèmes techniques, hein, ça peut faire partie des réalités de GD. Greg, je vais te redonner la parole, hein, par rapport à ce que tu posais, sur le jeu, et puis à Germain de t'emboîter le pas, et à moi-même, au besoin tout au long de l'émission. Bah on va pouvoir entamer très rapidement sur Dreams en lui-même. Moi, ce que je proposais, effectivement, c'est déjà de vous présenter un petit peu le jeu en lui-même. Et je pense là qu'on va laisser la parole à Germain qui va pouvoir vous montrer Dreams, comment ça se joue et qu'est-ce qui est proposé de base dans le jeu avant d'aller voir le concept. C'est l'autre jeu. Et là, c'est vous êtes sur At In Time, petit spoiler dont on vous parlera un Petit petit peu spoiler. Oh là là, après. ça spoil Voilà. dès le début. Et donc voilà, Dreams, et je vais laisser la parole à mon confrère Germain. Voilà. Donc là, juste petite intro sur Dreams. Là, vous voyez, on est dans le monde perso qui est à moi, que j'ai, avec des objets qu'on débloque en faisant des choses dans Dreams. Et en fait, voilà, qui permet de mettre tranquillement à l'épreuve tout ce qu'on a pu avoir appris dans les tutos et tout. Voilà, c'est un petit truc bien sympa que je vous montre comme ça, mais on va passer aux choses plus sérieuses rapidement. Et je propose de vous faire d'abord bien saliver avec un jeu fait par Media Molecule, donc par les gens qui ont conçu Dreams, et qui donc te montre vraiment tout ce que tu peux faire quand tu maîtrises le système. Et c'est d'ailleurs un des jeux qui est quasiment obligé d'être joué, je crois, quand tu lances Dreams pour la première fois. T'as quelques tutos et on te dit, grosso modo, tu veux jouer à un jeu? Tiens, joue à ça. Un peu pour te montrer, en fait, tout ce que tu peux faire. Ce qui, en soi, est une très bonne chose, parce que comme ça, tu vois le résultat d'un truc que les gens qui maîtrisent le système ont fait, et tu sais ce qui est possible. Et puis après, on ira voir ce que ça donne en vrai, avec notamment le tuto et l'éditeur, et on se rendra compte que d'ici que tu arrives à maîtriser le système, bah tu vas passer par quelques murs, on va dire. T'en as eu pas mal justement le temps que ça se lance, Michael, sur les premiers temps confrontation au jeu, on va dire. Bah non, pas tellement, disons, enfin, c'est tellement intuitif que les murs ils viennent après. Donc, au début, on se dit plutôt, mais c'est incroyable ce que je peux faire hyper facilement. C'est plutôt la première réaction. C'est après, quand on Oh, commence à vouloir faire des trucs un super. petit peu plus compliqués, qu'on a des murs. Mais au début, Vous êtes là. enfin, moi j'ai fait mon premier jeu, qu'on verra peut-être après, Parfait. Little Jump. C'est juste un jeu de plateforme en 3D, mais Laissez-moi vous avec raconter du une level histoire, design, disons, un Michael. système de score et tout. Comme J'ai dans toutes juste, les en bonnes plus, il y a un histoires, côté il y aura des communautaire. Donc en fissures. fait, moi j'ai Un peu demandé, d'ivresse. j'étais sur Un méchant Risa pour un Terra, méchant. pour ceux qui connaissent le forum. Il y a quelqu'un qui s'est proposé de me faire mon Et système de nous avons le score. temps En encore. 1 heure, il m'a fait un système de score qu'il m'a partagé, je l'ai mis dans mon jeu. Et Ouais. j'avais mon système de score Et de la et musique. j'avais qu'à faire mes niveaux, quoi. Et donc j'ai démarré Dreams et en 3 jours, j'avais un jeu à jouer qui était fonctionnel et qui avait de la qualité, quoi. Et je joue de Donc contrebasse. au niveau, au début, c'est plutôt la liberté qui frappe que Nouveaux les murs. instruments. Ok. Et donc on a Art qui se la pète parce qu'il joue de la contrebasse. Autrefois,
Ouais. Dans Et l'introduction. je lis vite fait dans les commentaires quelqu'un qui parle d'un sujet qui me tient à cœur et qui parle de l'interface. Oui. Et c'est vrai, oui, je suis d'accord, l'interface dans les menus, pas, dégueulasse, j'irai pas jusque-là, mais ils se sont laissés emporter à ce que pour essayer de faire coller l'interface et les menus de manière générale un peu au délire, à la fantasy Dreams, ce qu'ils voulaient véhiculer, ce qui fait que des fois c'est un peu trop flou, un peu trop fumeux pour être un menu très optimal. Ce qui fait que quand tu vas chercher, quand tu restes dans les, on va dire, dans les unes qu'ils te proposent, t'as pas de souci. Si tu veux chercher des trucs un peu, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de trucs un peu jolis et tout, mais qui nuisent à à la navigation. Comme mes amis, ces mignons petits follets. Et qui aussi, il y a un truc aussi Moi, sur la longueur, je tu vois dirais. tout ce que j'avais oublié. C'est comme disait encore Schneekiter, l'interface quand tu es en mode de création est très correcte. Et notamment la façon dont sont faits les menus, sauf que les menus sont pensés en mode création pour être pratiques en mode création. Mais ils ont retransposé à peu près le même feeling et le même façon que les menus ont de se développer avec les sous-menus et tout, dans un menu, ce qui s'y prête beaucoup moins. Ça crée en même temps une certaine uniformité qui est une bonne chose en ergonomie, sauf que vu que ça s'y prête plus du tout dans les menus, d'un côté tu dis, je préfère retourner en jeu. Ouais. Ce qui est dommage parce que dans les menus, t'as pas mal de choses à faire. Eh bien, on y est justement, la manette en main. Donc on a le fameux Imp, qui est le petit avatar effectivement, qui nous permet à la fois d'explorer, de contrôler des personnages, des objets, de progresser. Donc cette petite bestiole, espèce de Pikmin sans les membres. Que vous pouvez contrôler en fait en bougeant Voilà. la manette. Oui. Il y a une option aussi pour le faire au stick. Moi je le fais au stick parce que là c'est ultra chiant de ma position de faire en bougeant la manette, mais vous pouvez juste le faire en bougeant la manette comme ça. Ce qui, quand tu évolues dans un jeu, faire ça avec ta manette, bah, c'est assez sympa. Quand tu es en mode création, ce qui est là le truc qui va nous intéresser, pour déplacer des blocs et faire des trucs précis, quand tu es obligé d'être comme ça devant ta télé, on se rend vite compte que c'est pas l'optimal quoi. Non, 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 et je pense que là-dessus, Greg, je vais pas lui manger sa partie, mais notamment sur Mario Maker dont il parlait, et de la précision, notamment de la conception, il Notre reviendra premier probablement plus ami tard, hein, avec un vrai sur, ami. comme quoi c'est très important de littéralement On allait pouvoir faire un carton. toucher les briques de game On design. avait même un gros concert prévu à l'hôtel du Cerisier avant. Oui. Juste, je reviens Avant vite que je fait parte. sur par exemple, Elsien qui dit je connais pas du tout le jeu, mais visiblement il est beau. Alors c'est là que Oui. ça va être assez fou. C'est qu'on va voir beaucoup de types graphiques différents sur ce jeu parce que justement on avait pu avec Germain aller un peu en détail dans la création, mais là je pense que Mickaël va pouvoir mieux nous en parler. Mais y a moyen de vraiment gérer le matériau graphique, sa couleur, sa texture. Il y a pas mal de détails qu'on retrouve nous dans le métier, dans les logiciels qu'on utilise Enfin, et qui on nous sont voit la vérité rendus en assez face que dans accessibles. nos rêves. Donc on peut avoir des Ces jeux très lumières moches, comme s'allument des dans jeux notre très beaux. esprit. Ça dépend Toi. vraiment du temps et de l'application qu'on y met. Et ça, c'est assez impressionnant pour le coup. Et c'est vrai que là, c'est très beau. En même temps, c'est le jeu qu'ils ont fait pour vendre un petit peu leur outil. Donc, Voilà, ça c'est comme je dis, c'est pour vous faire saliver et vous donner envie de dire, oh mon Dieu, j'ai fait un truc super beau aussi. Sais plus ce que je dois faire là. Bah, tu dois déposer des dois droits, tu allumer la dois lumière. déposer des droits à Pixar, moi je pense, puisque Oui, j'y pensais en plus. ouais. Voilà, c'est Ouais, bon. on est en train de jouer avec une petite lampe hein, pour ceux qui sont sur l'option podcast, hein, parce que pour rappel, vous pouvez nous retrouver aussi en audio pur, Et là, balado du tout. rien que là, il y a un truc que j'aime bien. Comme je Ouais. disais, vraiment, ils t'en mettent plein les yeux, ils exploitent au maximum le système. Mais on retrouve quand même la patte graphique avec cette fumée qui est en mode. Qui n'est pas ce qu'on pourrait appeler photoréaliste. Du coup, ça te dit quand même là que ouais, on a une patte graphique assumée. Ne cherchez pas, ne cherchez, vous pouvez pas y échapper. Le truc qu'il faut dire, c'est qu'il y a un truc qui est très symptomatique des visuels de Dream, c'est que c'est pas vraiment des polygones en fait, c'est plus un système. Enfin, je sais pas exactement ce qu'ils ont fait, ils ont déjà donné des conférences dessus, mais du coup, c'est assez particulier parce que tout a un côté un peu organique et ça ressemble plus. C'est plus facile d'avoir un rendu qui va faire peinture que d'avoir un rendu en fait vraiment très précis avec plein de petits détails géométriques parce que du coup. Le moteur est comme ça à la base, donc ça donne un rendu très reconnaissable quand on est un peu habitué à tous les jeux de Dreams. Mais bon.
Les piles n'ont pas duré. Je te comprends, Dibi. Vous entendez peut-être un chat miauler. La valise de mon père. Je n'ai même jamais eu le droit c'est de... C'est pas chez moi, je précise. Non, c'est dans le jeu. C'est Foxy le borgne. Et en parlant d'entente, là c'est d'entendre, là c'est quelque chose aussi que cette démonstration met beaucoup en avant, c'est à quel point en fait tu vas pouvoir jouer avec des sons, avec de la musique et de l'ambiance et tout. Ce qui est un truc en vrai quand, dans pas mal d'autres éditeurs de jeux, en tout cas, ou éditeurs de niveau, où la musique ou les sons sont beaucoup moins libre en fait, ce que tu peux faire avec est beaucoup plus dirigiste, t'as beaucoup moins d'options, c'est souvent peu malléable, voire parfois pas du tout le cas. Je pense notamment, à, peut-être les anciens savent, aux éditeurs de map de la série Age of, où t'aurais bien voulu mettre des putains de musique badass à certains endroits et tout, et là tu pouvais pas, parce que c'était pas le sujet. Et c'est vrai que avant j'y avais pas pensé, mais en testant Dreams, je me suis rendu compte que c'est vrai que la musique, c'est souvent, dans l'éditeur de niveau, un aspect qui est survolé, où les gens se disent « Eh, on s'en fout, on fait un éditeur de niveau, la musique, on prend celle du jeu. » Sauf que, quand tu commences vraiment à te pencher un peu sur le level design et sur le level art, tu te rends compte que la musique contribue à l'ambiance et contribue à beaucoup de ton niveau. Donc c'est, au-delà du fait d'être très sympa, très important de pouvoir donner aux joueurs un peu de possibilités sonores. Et là, voilà, avec le Dreams te dit clairement « Nous, on va faire, tu vas pouvoir faire plein de trucs. » En fait, là où c'est intéressant, c'est que justement, quand on donne la possibilité à un joueur de s'exprimer finalement dans une création ludique, c'est important qu'il puisse vraiment s'exprimer, mais sur tous les plans. Parce que, par exemple, sur un Mario Maker, on ne va pas faire une expérience. Voilà, une expérience de jeu. Non, on va faire un niveau Mario. C'est défini, donc le son, on s'en fiche. C'est le son de Mario. Dans un jeu comme Dreams. Bah, faut assumer. Et en fait, c'est toujours le truc qu'on dit un peu tout le temps. Hein, faut aller au bout de ses choix. Et bonjour à Nathan Gouzian et merci pour le follow. Bienvenue à toi. Merci à vous tous et à vous toutes qui nous rejoignez. Oui. Alors, ça me permet de repréciser un autre petit détail. J'ai parlé de Michael de Origoto qui est avec nous ce soir sur l'émission, ce qu'il a donc créé des univers dans le jeu Dreams, c'est un peu la thématique du soir, mais aussi de Germain et de Grégory qui sont eux-mêmes game designers, avec notamment un petit plot twist, un peu de sel, mais rien de bien méchant avec Germain qui lui a pas mal de focus UX/UI. Pas mal de sel quand même envers les mauvaises UI. En ce qui est mauvais, voilà. Mais dans l'idéal, c'est plus pour la saveur, quoi. La saveur du sel, ouais, je suis tout à fait d'accord. T'aimes quand ça croque, t'aimes quand ça claque. J'aime quand c'est croquant, quand c'est pimenté. Pardon, très mauvais accent, je m'excuse auprès de la communauté. Complètement, on va pas te jeter la pierre. Là, on peut voir notamment, par exemple, qu'il y a, voilà, il y a de l'interface qui est mis en place. Il y a un nouveau type de gameplay. Tout à l'heure, on était un peu sur du point and click. Là, on est carrément sur la troisième personne, où on va taper des choses, etc. On a des gameplays différents. Ça, c'est intéressant à préciser. Alors, on peut un petit peu resituer au niveau de la genèse Media Molecule. Hein. Pour info, donc, Media Molecule qui a vraiment explosé avec Little Big Planet sur PS3 à l'époque, hein, qui avait vraiment déjà, à l'époque, c'est illustré pour ce qu'on voit dans Dreams, hein, en termes de création d'expérience dans un jeu. Et puis, progressivement, ça s'est, on va dire, de plus en plus précisé, hein, tandis que j'ai... mon chat qui dévore la culture, hein, qui littéralement dévore les bouquins de game design et de game studies autour de moi, c'est pas mal. Et on est arrivé progressivement jusqu'à Little Big Planet 2 et 3 à des éléments effectivement de plus en plus aboutis, comme nous disait Greg, à des propositions, on pouvait jouer aux cartes, le 3 était déjà très impressionnant, très abouti à ça. Et entre deux, quand même, pas faire l'impasse avec, j'en parlais très brièvement tout à l'heure, Tear Away, qui lui était une expérience initialement PS Vita, et qui a été également porté sur PlayStation 4, et qui lui rajoutait pas mal de petites bricoles, alors beaucoup plus dirigiste, parce qu'on était plus sur un mode aventure principalement, même s'il y avait des possibilités de création, mais c'était pas au cœur du jeu, et aussi destiné à un public beaucoup plus majoritairement plus jeune, hein, même si pour créer des trucs il fallait y aller, et j'y reviendrai après si on a le temps sur Tear Away, parce qu'il y avait
une proposition de va-et-vient entre création numérique et création plastique, donc format physique, qui était vachement intéressante, parce qu'on propose, il y avait des patrons qui étaient distribués dans in-game et via les sites qui permettaient de créer des origamis, des objets ou des personnages rencontrés dans le jeu. Enfin, il y a, voilà, il y a toujours eu cette volonté de création au cœur des jeux Media Molecule, donc ça vient pas de nulle part. Voilà, je m'arrête là pour la petite genèse, tandis que Germain s'illustre en projection de pierre shuriken oui. Et saute sur des cymbales et des caisses claires. Mais je t'écoutais avec grande attention, c'est pour ça que je me suis arrêté. Et la narration est très emblématique de Tearaway, hein, d'ailleurs. Là, le Jazzman, le fameux Art, hein, si je ne m'abuse. Ouais. Qui nous raconte l'histoire. Je détestais les corbeaux. Et là, voilà, ça fait en quoi depuis combien de temps on a avancé? Même pas 10 minutes. On a déjà eu tellement de choses différentes qui étaient possibles de faire. On a montré les sons, on a montré différents gameplays, on a montré une cinématique. Ça a montré qu'on peut changer de perso. Ça montrait qu'on pouvait faire une énigme. En fait, rapidement, le jeu, ça, c'est vraiment le jeu te met l'eau à la bouche, te montre la multitude de choses que tu peux faire. Et c'est vrai que c'est effectivement, tu peux faire tout ce genre de choses avec Dreams. Et ça, c'est très intéressant. Le fait de, voilà, de pouvoir lancer des trucs sur les gens aussi, c'est vrai que c'est très intéressant ça. C'est essentiel. Absolument. Il y a un truc, évidemment, on va pas pouvoir le montrer parce que sinon le stream durerait vachement longtemps. Mais ce jeu-là. L'histoire de Art, etc. Il se renouvelle constamment. Et je me rappelle vraiment, on l'a fait avec Germain, on a été mais hypé du début à la fin. Il y a des séquences, quand on les voit, on se dit « Ah ouais, ok, d'accord. » Et à chaque fois, c'est « Ah d'accord, on peut faire ça. Ah oui, ok, il y a ça aussi. D'accord, ok. » Et ça donne qu'une envie, c'est de mettre la main à la pâte. Vraiment, oui. C'est très 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 bien géré. Pour donner un exemple, je sais pas s'il y en a dans le chat qui ont joué à, ou qui ont vu en tout cas une vidéo de Wild Heart Sayonara. Oui. Mais t'as un passage dans ce jeu-là qui ressemble énormément. C'est pour dire à quel point il y a une multitude de choses qui est montrée. Donc qui est un jeu sur rail, très, très psychédélique, un petit peu un mix entre Rez et du Rhythm Game. Voilà, qui se veut vraiment comme une expérience, on va dire. Musico-ludique, on va dire ça comme ça, de ce machin. Et n'hésitez surtout pas, hein, ne soyez pas timide dans le chat, et même si vous nous écoutez en replay, ne soyez pas timide pour revenir lundi prochain à 20h, vu qu'on sera là aussi. Oui, on est là pour répondre aux questions aussi, évidemment. Ouais, en live et en différé aussi, hein, si vous entendez. Et on a eu beaucoup de, on l'a déjà dit, mais on a eu beaucoup de menaces de mort pour l'émission sur Zelda Breath of the Wild, qui est toujours disponible en replay. Donc n'hésitez surtout pas à venir déposer les vôtres. Ah, les mots étaient dans le mauvais sens, c'était Sayonara ou Wild Heart. C'est pas grave, il y avait le cœur de l'idée, tu as compris, mais c'est voilà. Très juste, c'était dans ce sens-là. C'est parce que j'ai lu de base en haut, voilà, c'est pour ça. Oui. Ambiance. Donc on a notre perso qui vient de se faire enfermer dans un cercueil, tout va bien. Voilà, et je pense que c'est justement cette superbe ambiance qui est impressionnante, qui donne vraiment envie de faire les trucs. Ouais. C'est le meilleur moment pour passer le flambeau à comment on fait pour de vrai et à ce que vous déchantiez rapidement. Raté, c'est pas ça, pardon. Parce que Germain aime briser les rêves, c'est ça qu'on a pas oui. Dit. Et oui. Et... Non, mais là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir voir effectivement Germain qui n'a pas mis la main à la pâte un bout de temps en plus sur Dreams, et puis même on n'avait pas fait grand chose, et ensuite voir avec Mickaël qui a justement un peu plus rodé le système, donc c'est cool. Et peut-être des pro-tips en tout genre. D'accord. Nous savons ce que vous aimez faire, la conception. Voilà, ça c'est un jeu qui est très perspicace. Qui a compris que dans game designer veut dire concevoir et que j'aimais faire de la conception. Ouais, mais non, parce qu'il peut te dire que tu aimes faire du son, parce qu'il y a des gens qui vont faire que de l'audio, tout et tout. Donc en fait, ça peut être vachement spécifique. Vous connaissez grosso merdo les catégories
vers lesquels on va vous dire. Bah, je crois quoi, il y a conception, mais il y a aussi un truc de curation, en fait. Il y a des gens qui vont surtout faire des collections d'autres, ouais, D'accord. d'autres, enfin, d'autres personnes. Donc ceux-là, Ah, on va leur génial. dire que on peut être, voilà, on peut être directeur de galerie si on veut. Donc il y Ah, a pas ça, mal c'est. de métiers différents, on va dire. Ouais, ça. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur Tear Away, sur la volonté effectivement de création, de cataloguer des créations. C'est bien, ça aide à créer un écosystème hein, Ouais. globalement dans les créations de Dreams. Oui, et puis on peut vachement dans la communauté trouver des gens qui vont nous aider pour certains types de trucs. Donc si on cherche un compositeur, hop, on va aller chercher dans les compositeurs et on va en trouver un. Ça, c'est assez simple, hein. On vous rappelle, si vous voulez retrouver les créations de Michael, c'est Orioto, Oriotto, comme pour ses créations visuelles. Bon, bah, Bon, puisqu'on est faut dans voir. l'art, je vais vous montrer un didacticiel art. Ouais, Parce allons-y. que on va voir rapidement que c'est pas si simple de tout faire, mais que les didacticiels pour moi sont vraiment ultra pertinents, ultra bons. Difficile de croire que la satisfaction Les tutos étaient bons. physique et Et ça me celle permettra aussi de commencer des à, longs je serai pas périodes le seul, mais à d'exploration avoir des petites observations, notamment sur sont le très fil depuis efficaces. Little Big Planet, Appuyez sur premier du l'étoile nom, pour ouvrir le menu et observer la au niveau section de la création. masquée. Et là déjà, il y a plusieurs choses. Elle présente un Il y a un autre mec qui type de t'explique les choses au fur et à visualisation mesure. dans la Et ça c'est assez cool, c'est que t'as ton écran, t'as quelqu'un avec une voix Interactivité, claire, compréhensible, compréhensible, qui ouvrir t'explique le truc l'esprit, avec toi. Donc déjà, t'es pas obligé de lire un texte et de te ouvrir son référer en cœur, permanence, t'as le mec qui parle. tomber dans Et son tu peux faire les choses en intérieur, même temps, ça s'ouvrir c'est pour lui, pratique. Et vous voyez, t'as une petite vidéo qui s'émerveiller te montre là devant quoi lui, faire. s'émerveiller La devant lui, vidéo, vous s'émerveiller pouvez devant la lui, grandir si vous voulez. Vous pouvez la et lui, déplacer pour la mettre où est-ce qu'il son faut. style Alors et attends. faire, entre les Voilà. placer, je crois qu'il faut prendre par en haut, non? Non, Son c'est R2, style bref, c'est présente écrit, R2 une déplacer. Voilà, vous pouvez la visualisation déplacer. Donc profonde déjà, ça fait partie des et trucs assez immersive intéressants, c'est que le bien tuto en au-delà de lui-même, l'ambiance avant surréaliste de voir à quel point il t'apprend les choses, il est très maniable et tu peux l'adapter vraiment à toi, comment tu préfères gérer les choses. Tu veux regarder à droite, tu regardes à droite. En fait, il est vraiment fait pour que toi, en tant que nouveau utilisateur, en personne qui va découvrir, tu sois à l'aise avec, ou au moins le plus à l'aise possible. Et même une fois là que tu as ta vidéo qui explique le tutoriel, tu fais attends, j'ai loupé parce que j'ai écouté le mec qui Ce parlait, moment hop, d'ouverture tu reviens en arrière, mode tu repasses autant de fois que tu veux. scène restera inchangée en mode jeu. C'est un truc qui est très très sous-estimé Visualisation ouverte par défaut. à la fois dans les tutoriels en règle générale, mais aussi pour des propositions de jeux qui vont s'adresser à un spectre d'âge de joueurs assez étendu. La répétition, notamment. Vous avez qu'à voir, parce que c'est aussi du game design, hein, vous avez qu'à voir les jeux, on va dire, les jeux premier âge, entre guillemets, qui vont utiliser des interfaces électroniques ou voilà, du VTech, des trucs comme ça pour dropper une marque. Et ben, en l'occurrence, c'est quoi le premier truc qu'au fond les tout petits? C'est de faire répéter les instructions, soit parce qu'ils n'ont pas compris, voire même des fois par plaisir de la voix, quoi, de répétition, de retrouver comme ça le narrateur. Là, vous voyez aussi ce que je viens de faire, c'est que j'ai mis en pause. C'est ça, c'est un truc. Si jamais tu es en train de faire un truc, tu dis, ah, attends, je vais explorer ça, mais tu dis, je Ah. veux pas perdre, tu mets en pause, tu fais tes trucs, et tu peux reprendre quand tu veux. Tu peux aussi te dire si c'est compliqué. À un moment donné, tu dis, je comprends pas ce qu'il dit, c'est trop compliqué. Tu peux mettre en plus grand, fais-le en plus grand carrément. Voilà. Tu peux aussi te dire, bah, je m'en fous, je cache la vidéo et tout. Et ce genre de truc qui est très important, tu peux vraiment revoir toutes les étapes en vidéo, live, suivre. En fait, c'est un tuto YouTube, mais sans YouTube, directement dans le système, directement dans le jeu. Ce qui est très, très agréable, qui a tous les avantages du tuto YouTube, c'est que tu as une vidéo qui t'explique les choses en vrai. En même temps, t'as pas un schéma, enfin vraiment, tu as quelqu'un qui fait l'action, qui montre comment la faire. Et ça peut vite devenir très important de pouvoir revoir, parce que là, comme vous voyez, bon, déjà, le nombre de menus. Assez, on va dire les menus principaux, bah, ils commencent à y en avoir un petit peu beaucoup. Alors tu les découvres au fur et à mesure, là ils te sont pas tous présentés comme ça, mais parfait, c'est exactement ce que je voulais que tu fasses. Voilà, si tu t'attardes sur un truc, il t'explique. Tu es en permanence avec la possibilité de C'est ravoir les assez pratique informations. ça, hein. Ouais, ravoir les informations et Quand on surtout voit dans les détails. Hein. elles sont assez claires, ouais. Et attends, là, il n'y a pas beaucoup de niveaux. Bah, si tu vas. Attends, c'en est où? Il y en avait encore plus.
Voilà, parce que là, ça devient corsé. Vous voyez, s'il y a des petits trois petits points, c'est-à-dire qu'il y a Ouais, encore d'autres choses en dessous. il y a encore des Donc ça veut dire sous-menus que là, je peux et aller des encore. Vous avez sous-menus, vu la taille? etc. Ça ne tient pas dans Ouais. l'écran. Donc, le fait que ce. Merde, que ce tuto. R2, voilà. En plus, c'est pareil, là, si j'ai oublié les touches, le jeu me les rappelle très facilement. Et ça, déjà au niveau de toute l'interface, de comment le. L'interface de conception et le tuto sont faits. C'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment fait de manière à ce que, en tant que nouvel arrivant, et même après en tant que concepteur aguerri, hein, ça revient au même, mais c'est surtout d'abord, parce que dans le tuto, en tant que nouvel arrivant, tu sois assez à l'aise avec ce qu'on propose, et ça peut être très lourd. Par exemple, là, vous avez vu, on était dans un sous-menu d'un sous-menu, et j'en ai encore, hein. Je peux encore y aller. On me dit dans l'oreillette, maître Capello Greg, que tu as dit merde. Donc on a, d'après les strikes Twitch, tu n'as plus le droit C'est Germain qui l'a qu'à dit. deux. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit maître Greg Capello, qui le rappelait. Ah, qu'il le rappelle. Voilà. Oui, Et c'est drôle qu'il comme le je l'ai rappelle. dit une fois de plus, on n'a plus le droit qu'à une seule fois. Voilà. Oh là là. Attention. Bref, voilà. Et donc, maintenant. Ah! Et voilà, il s'y perd. Mais Non, je pendant. suis resté trop longtemps. Oui, Les vas-y. menus sont assez bien organisés. Par contre, moi, je suis déjà un peu dans les critiques, hein, vu que j'ai pas mal expérimenté avec. Il y a des choses parfois pas extrêmement logiques quand même. Donc parfois, on se retrouve un petit peu à chercher assez longtemps certaines choses parce qu'on sait plus où elles sont, on sait plus où elles sont. Parce qu'il y a des trucs. Parfois, en fait, il y a un effort de tout organiser, c'est-à-dire de tout ranger par rubrique et par catégorie. Donc normalement, c'est plutôt bien fait. Mais du coup, il y a des choix parfois un peu bizarres et on se dit, mais en fait, ça, enfin, il y a des trucs qui sont dans trucs assez importants, qui sont rangés dans le réglage global du jeu et tout comme ça. Parfois, on est un peu perdu dans certains trucs. Mais en général, c'est quand même très bien organisé, ce qui aide pas mal, Ouais, quoi. faut prendre le temps simplement. Donc les control freaks et les gens qui aiment les choses bien rangées seront aux anges. Il y a plein de petits détails là pour vous donner un ordre d'idée. Germain est en train de faire pivoter non pas un canapé comme auraient dit les fans de Friends, mais des pierres. Et en l'occurrence, il peut les placer librement effectivement sur le décor. Mais il y a un autre truc tout bête, parce qu'on n'a pas commencé par là. D'habitude, ça doit être le plaisir d'avoir Mickaël avec nous aujourd'hui. Mais d'habitude, on est un peu plus scolaire et on parle du classique. On va créer un jingle peut-être dans le futur. Les 3C. Les 3C. Donc, contrôle, caméra et caractère, donc pour personnage. Et en l'occurrence, bah, là, il y a encore. Trapé de trucs à dire, et moi je me concentrais sur la caméra parce qu'à un moment je te voyais, Germain, faire bouger le petit imp, hein, donc qui est le petit avatar, comme je disais, qui permet de bah, qui sert de curseur de souris, hein, on va le dire ça un petit peu simplement. Et ça c'est très pratique quand par exemple tu as la typo qui va rester la même pour les différentes options qui sont disponibles. Et si tu te dis, ah bah tiens, là j'ai une typo verte. Alors que je suis sur une plaine verte, eh ben je vais déplacer ma caméra pour que ma typo soit visible, hein, plus visible, pour savoir ce qui est à lire. Donc, voilà, il y a plein de petits éléments comme ça au niveau de l'ergo qui sont plutôt chouettes. Ça peut être très important parce que quand on commence à avoir des grosses scènes, c'est un enfer. Et il y a plein, le jeu est très bien fait. Faut un peu, il y a un tuto pour la caméra, exprès pour la caméra, je crois, si je me souviens bien. Et il y a Ouais, il me plein de semble. raccourcis très pratiques pour pouvoir, par exemple, choisir juste un objet et situer la caméra par rapport à cet objet ou zoomer ou dézoomer par rapport à cet objet. Parce que parfois, il y a des. Typiquement, moi, j'ai des niveaux qui sont absolument immenses, parfois avec des objets qui sont très, très, très loin. Ouais. Il me faudrait juste 10 minutes pour zoomer à vitesse réelle pour aller jusqu'au niveau. Donc du coup, on peut Ah ouais. choisir un truc extrêmement loin. Par exemple, si j'ai un nuage que j'ai mis très 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 loin dans le ciel, je peux juste le cliquer dessus et hop là, je vais zoomer sur ce nuage automatiquement, indépendamment de la distance de tout ce qu'il y a devant ou des trucs comme ça. Est-ce que je Mais vais avec la faut porte là? vraiment jouer avec ça. Il y a aussi plein d'options pour faire, par exemple, pour bloquer un truc tout bête. Mais par exemple, si on a de la pluie qui tombe. Bah, ça Ouais. fait plein de petites images de pluie. Donc, quand on veut sélectionner les trucs, on ne peut plus rien sélectionner parce qu'à chaque fois, on sélectionne la pluie. Donc, on peut. Ah Il ouais. y a un outil qui va permettre de bloquer la pluie pour qu'on ne la sélectionne plus. Il y a plein de trucs comme ça d'ergonomie qu'on est obligé de maîtriser parce que sinon, on ne s'en sort plus après quoi. Mais c'est assez bien fait. Ouais, Bah, aussi. Vas-y, Greg, je t'en prie, il y excuse-moi. a un truc, par exemple, bon, c'est quelque chose que je retrouve souvent sur les jeux à édition de niveau, etc., qui sont pensés pour des consoles, c'est que très souvent, j'en arrive à me dire. J'aimerais bien avoir mon clavier souris là quand même. Et
Et là, c'est vrai que le contrôle à la manette, moi, donc j'ai pas beaucoup joué sur Dreams parce que bah, je l'ai fait qu'uniquement quand j'étais chez Germain. Mais bah, ça, il gagnerait en précision, en rapidité et en efficacité. Je trouve qu'on perd pas mal de temps sur les sticks. Alors, pour le coup, c'est quand même vachement bien fait pour un contrôle manette. Mais j'ai beaucoup de mal avec ce genre de contrôle-là. Ça reste frustrant, ouais. Et ce qui fait que du coup, alors que j'adore les éditions de niveau, j'ai pas pris Dreams. C'est quand même un point qui est fait que je n'ai pas acheté le jeu. À savoir qu'il y a aussi, il y a aussi les, comment ça s'appelle, les moves du PSVR Ah mais là, dans qu'on ce peut cas-là, il aurait utiliser fallu que dans j'achète Dreams. les moves avec. Ouais. Voilà. Voilà. Mais c'est Mais ils sont pareil. plus très chers. Mais c'est Oui. pareil, c'est le manque de raccourcis, etc. Moi, je parle vraiment, c'est parce que bah, je passe du temps sur Unity, sur Unreal, etc. Ouais. Et c'est vrai que c'est des choses qui manquent dans les éditeurs de niveau, dans le sens où j'ai l'impression que quelque chose qui va prendre normalement 2 heures, un éditeur comme ça, il va prendre 4, 5, 6 heures. Et parfois, c'est pas énorme. Surtout quand on commence à maîtriser, peut-être qu'au lieu de 2 heures sur PC, on va mettre que 4 heures. C'est quand même 2 fois plus de temps. Et je pense que pour faire des gros trucs, c'est un peu dommage d'avoir cette difficulté-là. Je pense que clairement, Dream sur PC, en plus avec les workshops, etc., ça aurait fonctionné à merveille. C'est une petite réflexion que je me fais quand même là quand on parle un petit peu de contrôle, etc. Sinon, ça reste globalement vachement bien fait, quoi. Les zooms, la capacité de. Là, par exemple, comme on est focus sur cet élément qu'il est en train de mettre en place, Germain, on peut se rendre compte qu'il y a un flou sur le reste. C'est grisé. Je peux tout Le masquer reste, aussi si forcément. je veux vraiment être. Voilà. On peut clairement le masquer. Donc là vraiment, on a une focalisation sur l'élément qu'on est en train de préparer. Moi, je me rappelle quand on avait fait les tutos pour faire un personnage notamment, bah, on pouvait vraiment se dire, OK, là, je suis en train de travailler l'épaule. Je travaille vraiment l'épaule, quoi. Le reste, ça dégage, ou alors c'est flouté, etc. Donc, c'est quand même très puissant comme outil. Mais je trouve un petit peu que ça manque de maniabilité. Qu'est-ce que t'en penses, Mickaël? Tu penses vraiment que ça aurait été fondamentalement un game changer de l'avoir sur PC? Ah oui, bien sûr, mais c'est pour moi presque plus que par rapport à l'interface. C'est surtout, mais ça, on n'a pas encore parlé de ça, mais c'est surtout une histoire de market et de la façon dont on Oui, peut bien exploiter sûr. ce qu'on fait, quoi. C'est surtout ça le problème. En termes d'ergonomie, oui, moi j'adorerais pouvoir utiliser ma tablette Wacom, c'est sûr. Mais après, vu tout ce qu'on arrive à faire dessus, au final, je trouve ça quand même assez bien foutu. Non, là, ça fait un petit moment, donc je me souviens pas forcément très bien. Maintenant, je sais que j'ai galéré sur certains trucs qui peuvent être. Enfin, il y a plein de choses qui sont quand même, oui, assez embêtantes. Après, moi, par exemple, je suis pas du tout modélisateur 3D. Donc, j'ai jamais fait de miracle avec Dreams en termes de modélisation. Il faut quand même vachement prendre le coup pour arriver à. Enfin, faut. Quand on voit des trucs qui sont ultra sophistiqués, ultra complexes sur Dreams qui sont faits, alors c'est souvent un peu le piège de ce genre de logiciels qui sont un peu basés sur les choses faites par les usagers. C'est qu'on voit des trucs ultra sublimes qu'on nous montre et puis on se dit, ah mais ouais, mais on peut faire des trucs comme ça, moi aussi je vais faire un truc comme ça. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que les gens qui font vraiment les plus beaux trucs sur Dreams, c'est généralement des infographistes extrêmement doués déjà, Qui qui ont un connaissent déjà background. très bien des logiciels 3D, voilà. Donc eux, ils sont très très à l'aise avec là, ce qu'on voit là, c'est-à-dire toute l'interface de modélisation. Moi, personnellement, j'avais jamais fait de 3D, donc alors moi, disons que je suis débrouillard, j'arrive à maîtriser un style artistique en utilisant un petit peu ma spécialité, c'est un peu de contourner mes limites pour arriver à faire ce que je veux. Mais si j'avais voulu, je suis incapable de modéliser un truc complexe dans Dreams, quoi. C'est quand Oui. même, faut quand même y arriver, quoi. C'est pas facile. Là, on peut voir par exemple que Germain n'est pas un graphiste. Hein, c'est pas un Il a beaucoup de artiste, hein, talent, ça. mais Non, mais au moins il tente. c'était une parfaite démonstration de ce qu'on disait sur le fait que avec la manette de la PS4, t'as pas autant de maniabilité et de liberté pour un artiste qu'avec une tablette, ouais.
Bien, bien joué, Germain. Là, pour les cours, bah, par exemple, fais-moi un cercle avec Un ton cercle parfait. non, ça... Mais pour revenir, un autre truc moi qui m'intriguait, parce qu'on a pas mal parlé interface, toujours dans l'idée de l'évolution des jeux de chez Media Molecule, on a une proposition très intéressante. Alors il y a des gens qui ont été traumatisés dans le chat par rapport au Imp, qui n'aurait pas une tête de Imp, mais Greg les a tout de suite rassurés en leur disant qu'il était personnalisable. Et en l'occurrence, au-delà de ce petit détail cosmétique, c'est que vous avez donc, pour vous décrire le petit Imp, hein, qui est un personnage un peu furry, fluffy, voilà, fait de fourrure et un petit peu rondougard, qui a une petite antenne sur la tête, hein, vraiment comme je disais, un Pikmin sans les bras et les jambes, et dont l'antenne, je dirais à 95% des cas, va être un élément de sélection en fait, dans lequel on va pouvoir pointer une option, dans lequel on va pouvoir click and drag, donc sélectionner et puis modifier, effectivement tirer la physique d'un objet, etc., etc. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a vraiment fait beaucoup de chemin par rapport au premier Little Big Planet. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez, hein, pour moi, pour y avoir passé pas mal de temps et créé notamment dans. Ouais, en fait, j'avais même co-créé un spectacle de théâtre et de jeux vidéo avec un acteur metteur en scène, donc j'ai pas mal mis les mains dans le cambouis pour la création. Et on avait donc une interface où vous aviez un petit fil en fait qui suivait le corps du Sackboy de votre personnage, donc vous incarniez hein, le personnage emblématique de Little Big Planet, et un petit peu une iconographie en bulle et avec un visuel un petit peu blueprint, donc un petit peu les schémas de construction, etc. Et c'est vrai qu'à grosse échelle, hein, déjà tout à l'heure, Germain nous montrait que quand on avait plein d'options, on pouvait être perdu. Et là, dans Little Big Planet, dans les souvenirs, bah, il y a un moment, ça. On sature un peu d'informations et d'éléments et de formes, etc. C'est-à-dire que ça reste clair, mais imaginez pour ceux qui l'utilisent, qui comme moi sont un peu des quiches en mode graphiste, qui peuvent faire des visuels assez rapidement, imaginez des trucs, des sites comme Canva, qui vous permettent de faire des trucs visuellement sympas, mais dont l'interface est accessible, mais où on va vite saturer plein d'éléments pour naviguer dedans. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Alors, est-ce que vous vouliez rajouter des éléments, Greg, Germain ou Michael, par rapport à ce qu'on a vu jusque-là, ou est-ce qu'on se dirige doucement vers... J'aurais bien voulu juste montrer les Ouais. logiques un peu, vite fait à quoi ça Eh ben, ressemblait, vas-y, je t'en mais prie. il faut que je m'en souvienne. Il y a de ça aussi. Donc, le temps que Germain prenne le temps pour le faire, on Je va... vais être plus simple, on va retrouver le tutoriel qui t'explique de ça, comme ça comme ça. vous Je allez pense tout qu'on aura voir une comme il idée faut. dynamique. Et puis après, donc pour un petit peu vous teaser, on jouera aussi à des jeux de la commune, dont effectivement certaines des créations de Ryoto. Va d'ailleurs commencer Mickaël. par ces créations-là. Comme Ouais. ça, Mickaël va pouvoir nous en parler, expliquer un petit peu Yes. les intentions, tout ça. C'est ça Ok. qui va être intéressant. Je pense Pas vraiment c'est nécessaire de de sauvegarder. parler de l'intention de départ. Et ensuite, comment est-ce que tu as pu mettre ça en place? Parce que ça, c'est un truc qu'on fait, nous, en tout cas en game design, c'est vraiment se baser d'abord sur une intention de design avant de créer. Là, je vais être bavard, hein. Je vous Ah préviens. bah, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. T'es là pour ça, si je puis me permettre. Mais juste avant de te laisser ouvrir les vannes, si je puis dire, est-ce que j'avais une question dans mes souvenirs, est-ce que le trackpad était beaucoup utilisé dans le jeu ou pas des masses? Je t'entendais, Greg, parler de le manque de la souris. Est-ce qu'on a une possibilité d'utiliser le trackpad en mode un petit peu... Souris, déplacement un peu plus fin Le que... trackpad de la manette? Ouais. Mais en fait, ça, je sais plus si on peut l'utiliser, mais en soi, ça changerait rien parce que déjà, il est tout petit Ouais, bah oui, c'est ça. et il est sur une manette. Cette plaque verte, Oui. Alors que moi, en fait, c'est pas vraiment la souris en elle-même qui me manque dans un jeu comme Transformons-la en Dreams. zone de soins C'est le multiplacée combo pour vraiment clavier-souris, modificateur de c'est-à-dire le mouvement fait à que tu as le fixation sur clic, la tu as table. le Bien sûr. contrôle-clic, Vous avez alt-clic, déjà utilisé shift-click, cette option. shift-contrôle-alt-click. Vous pouvez Tous ces trucs-là qui font que ouvrir le menu ça. Sélectionner et sélectionner le Enfin, moi, je trouve qu'au modificateur niveau, d'effet dans le menu Déplacer aussi sans souris. mental, Il est c'est représenté beaucoup par un plus cœur simple mécanique de manipuler un pulsé. environnement 3D clavier-souris qu'à la manette. Activer la fixation à la On aura un... souris en Ouais. appuyant L1. On nous rappelle Mais aussi un en. truc. Oui, pardon, vas-y, Michael, vas-y, vas-y. Non, non, bah, non, en termes juste d'interface, en fait, quand même, ce qu'il faut Et dire, c'est ainsi que dissiper le le gadget gros, avec un petit gros cercle pari de pour les Dreams réglages et du qui peut modificateur. choquer plein de gens, c'est l'idée que tout est Manipuler de faire en physiquement sorte.
présent dans le niveau. Et c'est ce qui fait que c'est le bordel. Parce que même quand on fait de la musique dans Dreams, il faut savoir que bon, en fait, on fait ça comme avec du MIDI, hein, donc on fait ça avec une espèce de tableau où on met des notes et tout, ça apparaît dans le niveau. Alors, d'un côté, c'est quand même plein de gens vont dire, mais c'est n'importe quoi. En plus, ça apparaît en 3D. Parfois, il faut changer la perspective. Alors, on peut débloquer enfin, on peut le coller à l'écran pour que ce soit facile, mais c'est un bordel pas possible. Mais en même temps, c'est une approche hyper artistique. C'est-à-dire que par contre, quand on est comme moi, un artiste et qu'on veut faire sa musique et qu'on est dans l'ambiance d'un niveau, l'idée de faire sa musique dans le niveau, en fait, ça apporte vraiment vachement quelque chose. Donc, parfois, ils choisissent plus le côté intuitif et l'inspiration que ça peut procurer à un artiste plutôt que l'ergonomie, en fait. Donc, c'est des choix à faire. C'est des choix à faire. Et puis aussi, c'est très intéressant que tu soulignes ça, parce que je pense même pour les générations à venir, ça donnera aussi des approches mixtes, c'est-à-dire des gens qui auront effectivement ce type d'intuition-là, et puis qui peut-être après créeront potentiellement des espèces de logiciels un peu hybrides comme ça, qui permettront d'autres manières d'appréhender la musique comme on l'apprend actuellement. Je pense notamment à des effets dans l'exemple que tu as donné, composer la musique dans un espace de jeu, c'est un autre rapport d'un point de vue de la cognition, de la spatialisation et tout ça. Et juste avant de vous redonner la parole, dans le chat, donc on nous faisait remarquer, et c'est vrai que ça a son importance, et Michael le pointait tout à l'heure, de ce qui était assez appréciable dans Dream, c'était l'aspect communautaire. Hein, donc il y a des créations par les joueurs qui sont à la disposition de tout le monde. Et donc si on est par exemple mauvais, l'exemple qu'on nous donne pour faire des arbres, et ben on va pouvoir prendre celui d'un autre jeu et le jeu va apparemment, hein, moi je parle sous contrôle, je vous laisserai confirmer, surtout Mickaël, créditer les créateurs originaux. Mickaël? Oui, exactement. Et justement, c'est ce que tout le monde fait un peu, c'est que même, alors, il y a le côté artistique. Malheureusement, l'inconvénient, c'est que du coup, il y a plein de gens qui font des jeux, mais qui ne vont pas trop faire les modèles ou quoi que ce soit. Donc, du coup, on se retrouve avec un peu les mêmes assets dans plein de jeux. Donc, après, c'est quand même mieux. Mais on peut aussi partir de trucs qui ont été déjà faits et les modifier un peu pour qu'ils soient un peu différents, pour faire plein de choses. Mais là où c'est beaucoup plus, enfin, là où c'est, je trouve, encore plus impressionnant, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au premier jeu que j'avais fait, c'est que ça marche aussi pour la programmation. C'est-à-dire que comme tout fonctionne, alors ce qu'on voit un petit peu là dans ce que fait Germain, ce qu'on voit un petit peu, c'est que c'est un peu des gadgets, c'est-à-dire que tout fonctionne avec des gadgets. C'est-à-dire qu'il y a des gadgets qui vont permettre, par exemple, il y a un gadget qu'on va coller sur un objet, puis ça va lui donner des points de vie. Et comme ça, quand on touche le gadget, quand on touche l'objet, ça le tue, des choses toutes bêtes. Et des gadgets, après, on peut aller beaucoup plus dans la complexité de ce qu'on peut faire et faire des choses très compliquées, mais on peut organiser ça sous forme de gadget. Et après, on peut filer son gadget à quelqu'un d'autre, ou alors on peut le mettre de façon, on peut le mettre à dénoder. Et on peut trouver comme ça des choses. C'est ça, en fait, qui permet d'avoir une base pour faire énormément de trucs. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je voulais faire des jeux en 2D, tout bête, enfin des jeux en 3D, mais avec une caméra 2D. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai trouvé un gadget. J'ai cherché 2D dans le moteur de recherche. Et j'ai trouvé un truc qui était un espèce de kit à utiliser avec une caméra. Et il y avait quand même une histoire aussi de tracker pour que la caméra suive un plan 2D. D'accord, Et j'ai clé en juste eu main, quoi. comme si je l'avais acheté en stock. Ouais, voilà, clé en main. Et comme ça, j'ai pu faire mon jeu en 2D. Et ça marche pour tout. On peut Stylé. choisir un truc qui va permettre de faire un jeu de plateforme en 3D, qui va avoir un kit de trucs qui vont être plus adaptés au jeu de plateforme en 3D. On peut avoir un truc qui va permettre de faire des jeux de bagnole. En fait, tout fonctionne par kit comme ça. Donc, ça permet d'aller beaucoup plus vite et de rebondir dessus pour faire ses propres trucs. Donc, c'est ça qui est très bien. Donc pas besoin pour tous ces gadgets d'engager un inspecteur. Voilà. Il fallait que je l'évacue, je suis désolé, ça fait beaucoup trop de Non, bruit, mais mais vas-y, 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 il y a quelque vas-y. chose de très Mais non. important. Pardon, t'avais pas fini? Non, non, vas-y. Mais il y a quelque chose d'important avec tout ce qui a été dit là, et oui, ça parle des gadgets, et c'est pour ça que je m'arrêtais dessus, parce que je vais revenir. C'est que là, en fait, vous voyez les gadgets, grosso modo, ce qui va être en fait quasiment votre seule interface qui pourrait se rapprocher de ce qu'on fait en programmation quand on développe un jeu. Et c'est ça, c'est un truc très simplifié où on te montre la logique dans des éléments d'interface que tu connais. Tu as des sliders, tu as juste des boutons avec pas mal d'icônes et tout. Ce qui rend la chose très compréhensible et très accessible, mais rend la chose, je dirais, parfois pénible si tu veux vraiment aller dans des tweaks, dans des trucs de précision. Si tu fais un jeu vraiment poussé jusqu'au bout, on va dire avec qualité professionnelle. Éditeur complexe. Et en fait, c'est un truc qui, que ce soit volontaire ou pas, mais en tout cas, c'est le résultat, c'est que même s'il y a pas mal
de professionnels du milieu qui ont fait des jeux vidéo que je connais et qui se sont dit, hey, je vais tester parce que ça propose, donc on va tester l'outil. C'est avant tout quelque chose qui sert et qui est utilisé par les gens qui ne sont pas concepteurs de jeux vidéo. Parfois, ça peut servir de proof of concept, c'est-à-dire une preuve de concept en fait. C'est juste quand tu cherches à vendre ton jeu à une entreprise pour le faire embaucher ou quoi, tu peux faire juste un truc avec pas tes assets et pas ta programmation pour montrer que ça marche. Donc on peut se servir de cet outil comme proof of concept, mais encore une fois que tu es professionnel et que tu fais ça, tu t'en sers plus tellement. Et du coup, et c'est pas négatif, hein, mais c'est un outil qui est souvent, et peut-être c'était même l'objectif, entre les mains de personnes dont c'est pas du tout le métier. Ce qui donne des choses assez intéressantes et qui, notamment, je trouve, contribue à donner de la visibilité sur ce que c'est que vraiment faire un jeu vidéo. Et c'est un truc qu'on avait répété plusieurs fois, que les gens n'avaient pas assez de visibilité sur ce que c'était dans cette émission et ailleurs. Mais du coup, ouais, ça permet d'avoir un peu plus de cette visibilité, parce que si tu veux vraiment faire un jeu vidéo, et on va voir après avec ce qu'a fait Orioto, avec ce qu'ont fait d'autres gens qui ont refait carrément un Mario 64 et tout, tu te rends compte du nombre d'éléments que tu as à prendre en compte. Donc il y a cet aspect-là qui est mine de rien assez intéressant sur le côté éducatif par rapport à c'est quoi faire un jeu vidéo. Et ben justement, tu as relâché le nom de Michael, alias Orioto. Tu me disais que tu avais pas mal de choses à nous dire. Je pense qu'on peut passer, on peut passer à certaines de ses créations et un petit peu commenter en direct. Ce sera vraiment la session dans le dur, après avoir pas mal planté le décor sur le jeu. On vous invite à aller découvrir en vidéo ou carrément in-game il vous a suffisamment hypé. Il y a un petit truc que j'aimerais dire juste avant de passer aux réalisations de Mickaël. Déjà, effectivement, Elsian, oui, c'est un peu comme Picrou. Donc, Picrou, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait, c'est vraiment juste un petit outil sur le net qui va permettre de faire un dessin 2D à partir d'assets qui sont déjà présents. Et donc, on va pouvoir mettre certaines formes de menton, certaines machins, etc. Et l'assemblage va faire une image au final. Mais moi, je voulais dire aussi, ce type d'interface pour la programmation avec des blocs très graphiques, des liens entre ces blocs pour avoir une logique algorithmique qu'on va mettre en place dans l'espace, c'est ce qu'on appelle du blueprint. Et c'est notamment utilisé sur Unreal. Donc voilà, pour vous dire à quel point c'est quand même quelque chose qui est utilisé, quoi. Il y a des gens qui font des jeux, voilà, des jeux qui sont sur le marché qui vont utiliser Unreal, donc l'Unreal Engine. Et bah, on va avoir effectivement l'utilisation des blueprints pour faire les tâches les plus entre guillemets simples, parce qu'au bout d'un moment, effectivement, on commence à créer quelque chose de nouveau, etc., et quelque chose de très très précis. On va aller dans le code vraiment. Mais nous, en tant que game designer, on va beaucoup utiliser ces blueprints pour justement aller très vite, montrer que la mécanique, elle fonctionne, pour ensuite laisser les programmeurs le rentrer vraiment en dur dans le code, quoi. Donc c'est très, très important de dire qu'effectivement, c'est un outil qui ressemble quand même à ce qu'on utilise. Et par rapport à l'équilibre dont on parlait entre justement quelque chose qui simplifie les choses, mais du coup on est un peu limité dans ce qu'on va faire, et quelque chose qui permet d'aller beaucoup plus loin, mais du coup c'est très compliqué. Bah justement, je vais pouvoir vous en parler par rapport donc du coup, il faudrait essayer Ouais, Little super. Jump. Allez, Little Jump, c'est le premier jeu que j'ai fait. Donc c'est intéressant parce que du coup, je suis extrêmement limité par rapport à mes connaissances en programmation, je connais absolument rien. juste avant, je t'interromps 2 minutes pour faire une mini aparté, après on reprendra dessus. Pour reprendre ce qu'on avait dit sur l'interface, là vous voyez, typiquement, le 2 tiers haut de l'écran, c'est tous les éléments de filtre qui sont en 3 fois plus gros que nécessaire. Et tout ce que tu veux vraiment trouver, et du coup, quel est le but de tout ça, bah c'est en ligne comme ça et il faut que tu cherches. Voilà. On disait interface pas ouf. Ouais. Et paf. C'est comme pour moi avec l'inspecteur Gadget, il fallait que ça sorte pour toi aussi. Donc, Michael, Little Donc Jumps, du coup, ouais, ça c'est première. vraiment le premier truc que j'ai fait. Donc j'avais jamais fait de 3D, j'avais jamais touché à la 3D de ma vie. J'avais jamais designé de jeux plateforme en 3D. J'avais absolument jamais rien fait de tout ça. Donc à la base, déjà par rapport à l'intention, alors ça j'ai rajouté après le petit.
En fait, c'est assez facile à faire, mais après, j'ai rajouté un petit menu d'intro pour avoir pour choisir le niveau et tout. À la base, si j'ai fait le jeu, déjà, donc par rapport à comment fonctionne Dreams, et par rapport à l'évolution, par rapport à LittlePlanet, il faut savoir que pour ceux qui connaissent LittlePlanet, il a un peu mauvaise réputation parce que on a tendance à dire que ça donne des jeux un peu flottants, enfin, le contrôle est un peu naze et que c'est jamais du très très bon jeu de plateforme à cause de ça. Donc, moi, la crainte que j'avais dans Dreams, la première fois que j'ai essayé, le premier soir, c'est est-ce que dans Dreams on peut faire des bons jeux? C'est-à-dire tel que moi j'appelle, enfin, ce que moi j'appelle un bon jeu, c'est-à-dire déjà un jeu qui se contrôle bien avec un contrôle un peu serré, un peu à la Nintendo, un peu sympa. Ou est-ce que ça va Nintendo. faire des trucs un peu sympas mais qui se contrôlent n'importe comment? Bah oui, à Je faire. suis bloqué. Et ça marche pas? Non, il n'y a aucun bouton qui répond. Bah si, normalement, j'ai testé tout à l'heure. Bah moi j'ai aucun bouton. Normalement, ceci dit, normalement les niveaux sont accessibles indépendamment, donc tu dois pouvoir revenir et au moins choisir Ouais, les niveaux si tout tu vas en seul. mode option. Mais j'ai joué avec un pote hier, ça marchait. Ouais, je l'ai testé Ou tout à sinon, l'heure, tu peux. donc. Tu vois, il y a un truc dans Dream, c'est que tu peux faire. Il y a un truc, la carte là, il y a un logo carte. Le deuxième logo, en fait. Trop Ou même le tard. dernier logo là. Normalement, ouais, le dernier Puis là, logo. voir. Non, après, ouais. Normalement, si tu appuies là-dessus, tu peux accéder à. Alors d'ailleurs, ça permet de montrer comment ça fonctionne. Ah bah C'est super. un peu l'embranchement de tous les niveaux. Et si tu le rends public, ça, on peut y accéder. Donc comme ça, on peut accéder à tous les niveaux. Parce que quand tu fais ton jeu, tu peux décider. Il faut savoir qu'en fait, Dreams, tu as des scènes et que dans les scènes, tu as des. Enfin non, tu as des rêves. Et que dans les rêves, tu as des scènes. Donc, tu construis tes niveaux par scène. Et après, tu les relis. Et que tu peux dire, tel niveau est accessible que quand tu as terminé tel autre niveau. Donc c'est comme ça que tu Oui. fais la progression de ton jeu, en fait. Donc ça, c'est assez simple. Alors C'est j'espère que tu en as pris un pas trop dur. J'ai pris le premier. basiquement ce que vient de décrire Michael, c'est un peu basiquement ce que vous allez avoir si vous faites un jeu textuel à embranchement. Voilà, Ouais. il y a plein de logiciels gratuits comme ça. Après, en soi, le système de Dreams et de scènes de danse, c'est comme ça que ça marche tous les éditeurs. Hein, quand vous faites un jeu, vous avez un projet, le Dreams, le rêve, et après vous avez des scènes et vous jonglez dedans. Alors du coup, le premier truc que je voulais savoir, c'est est-ce que je peux, donc le premier soir où je joue à Dreams, est-ce que je peux créer Un un double saut personnage, même. parce que, ouais, il y a un double saut. Est-ce que je peux avoir un personnage qui va se contrôler tel que je le veux et qui va pas se contrôler n'importe comment? Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché dans la banque de personnages il y en avait déjà plein, plein, plein sur Dreams. Et en fait, alors là, on peut pas le voir du coup, parce qu'on peut voir dans l'éditeur du niveau, mais en fait, c'est là que c'est important, en fait. C'est moi, ce que moi, je trouve bien, mais ce que peut-être des vrais programmeurs ou des vrais codeurs ou des vrais game designers ont trouvé limité. C'est qu'il y a énormément de choses qui sont faites, on va dire, alors moi j'ai pas le terme pour parler de ça, mais vous allez m'en parler mieux que moi. Si on fait la différence entre ce qu'on doit coder et ce qui est directement dans l'interface en termes de slider que je peux juste bouger, genre je dis si je veux qu'il saute plus ou moins haut, voilà. Typiquement dans Unity, si je veux faire mon personnage et que je veux le contrôler, moi je vais bloquer parce que je vais devoir tout de suite un peu scripter des trucs et tout si je veux un peu le contrôler d'une certaine façon. Ou si je veux contrôler précisément comment il saute. Ou s'il doit faire un double saut, ou voilà, je vais devoir tout de suite aller un petit peu mettre les mains dans le cambouis. Alors que ce qui est très bien fait dans Dreams, c'est que je vais directement avoir accès à des options en cliquant sur la marionnette du personnage, qui vont me permettre d'avoir un contrôle très facile, juste par interface, sur plein de choses qui sont prévues, qui sont très pratiques. Par exemple, tout bêtement, mais de pouvoir dire, il y a un double saut. Et le double saut fait, par exemple, on va dire, 30% de la hauteur du premier saut. Bah, ça, en fait, ça change tout, parce que ça veut dire que sans avoir à scripter quoi que ce soit ou à aller dans des trucs compliqués, j'ai déjà pu avoir un contrôle très précis sur la façon dont je voulais paramétrer mon jeu. Bon, c'est un peu difficile. Non, mais faut, ouais. J'ai joué avec quelqu'un hier qui n'avait jamais joué, qui arrivait bien. Je sais, Non, non, moi, mais j'essaie de le casser là. il est, ouais, c'est surtout, Ah bah non. c'est le réflexe de game designer, Alors, hein, c'est le premier truc. le petit truc en fait que quelqu'un m'a fait que je voulais, c'est le système des étoiles qu'on voit là avec il y a une, deux, trois étoiles avec 25, 17 et 12 secondes. Et en fait, donc du coup, il y a un espèce de petit truc, un petit gadget à la fin qui enregistre le temps et qui donne le nombre d'étoiles. Et en fait, et voilà, il y a un truc de record. Et en fait, l'idée du game design pour moi, du coup, c'était d'avoir un jeu où on pouvait contrôler un peu la difficulté. Donc en fait, on pouvait aller à différentes vitesses. Ce qui fait qu'en fait, dans le jeu, si tu appuies normalement sur L1, je crois, tu peux aller beaucoup plus vite. C'était le cas déjà dans Feu follet.
Ouais, bah, The Police, c'est Oui, après. beaucoup plus vite. Oui, tu vas en J'ai fait, vu. quand tu. Oui, tu vas très très vite et ça devient un peu injouable. Mais en fait, tu peux arriver à faire le niveau en 3 secondes comme ça. Mais du coup, tu dois le faire complètement différemment parce que tu dois presque voler en sautant juste sur une plateforme à un moment Ouais. donné. Donc, ça, c'est rigolo. Donc, ça fait des façons différentes de jouer au niveau. Et donc, tous les niveaux sont un peu basés là-dessus, sur le fait qu'il y a, tu peux les faire un peu lentement en allant un peu dans un certain ordre. Ou alors, tu peux aller quasiment tout droit en sautant juste au bon endroit et tu peux terminer le niveau comme ça. Par exemple, là, tu peux courir et sauter juste au bon moment. Et voilà. Et il y a des raccourcis un peu partout. Donc, c'est une approche un peu à la Sonic. Ça, c'était pour le game design. Mais du coup, ça permet quand Moi, même. j'allais plus dire à la Mario Kart, hein, parce que Oui, aussi, oui. Sonic, c'est un peu pété, hein, comme tout le monde le sait. Alors, je viens de me faire 15 milliards Ouais, d'amis. mais il y a un peu l'idée dans Sonic, ceci dit, que tu peux faire le niveau en allant très vite, ou voilà, bon, même si c'est. Oui, Voilà. oui. Mais du coup, là, c'est vraiment pensé pour. Et donc, je sais pas, après, voilà, si vous avez des questions sur la façon dont. Parce qu'après, du coup, c'est très très intuitif, parce que moi, j'avais jamais fait ça, mais comme on pose directement, on fait ses graphismes dans le niveau, et qu'on pose, après, par exemple, là, mes petits passages que j'ai fait là. On crée un bloc un peu sympa, on en met 3-4 pour faire sa plateforme, après on change un peu le truc, on en fait un autre, on clone, et on fait très facilement sur un petit niveau, et on peut très facilement avoir une philosophie même de gameplay là-dedans, quoi. Et Donc d'ailleurs. ça permet quand même d'être assez exigeant avec ce qu'on fait, et d'avoir. Parce qu'après, la plupart des trucs dans Dream, c'est pas du tout des trucs comme ça, c'est des trucs complètement. Parce que moi, du coup, j'ai, disons, une. Je suis un peu un Un background vieux et Nintendo? j'ai un côté un peu arcade. Non, J'aime non, bien background faire partie de Nintendo, jeu. c'est pas vieux. Ça passe partout. Voilà. Mais du coup, moi, du coup, je cherchais à voir. J'ai voulu me prouver qu'on pouvait faire un truc qui avait un peu une philosophie de gameplay. Mais la plupart des trucs qui sont sur Dreams, après, moi, je voyais à côté. Quand j'ai essayé des jeux sur Dreams avant de faire un jeu, je voyais plein de trucs qui étaient complètement pétés. Et je me disais, ah, mais zut, parce qu'en fait, ça veut dire que le logiciel ne doit pas permettre de faire des trucs bien. Mais en fait, non, la plupart du temps. C'est parce que les gens qui les font s'en foutent complètement et font des trucs complètement pétés. Mais si on veut faire quelque chose de précis dans Dreams, on peut vachement le faire en fait, quoi. Alors, ça pointe un truc dont on a un petit peu parlé un peu plus tôt, c'est l'intention de game design, c'est-à-dire qu'est-ce que tu m'as donné. Alors, moi, je triche un petit peu, mais je précise quand même aux spectateurs et auditeurs pour le replay en podcast que, en gros, il y a un truc, si vous connaissez un petit peu l'univers visuel d'Orioto, hein, parce qu'on, pour ceux qui nous rejoignent, effectivement, Orioto n'a pas fait que créer des jeux sur Dreams, il est illustrateur à la base, hein, et donc publie chaque semaine en fait une nouvelle illustration sur domaine de jeux vidéo et autres. Et en gros, vous regardez les premières illustrations d'Orioto, c'est ce que je disais tout à l'heure avant l'émission, et tu étais parti pendant les tests, pile poil au moment où je disais ça, c'est que ça retranscrit vachement bien en fait les visuels, c'est parfait. On a Citram à la régie qui nous balance ça, notamment tes premières créations. Moi, quand je l'ai vu, je me suis vraiment dit, pour avoir suivi Première Heure, tiens, c'est vraiment réussi au niveau de la retranscription visuelle. Et c'est vrai que là-dessus, Dreams, Germain l'a dit au début, en met plein la vue. Et en l'occurrence, il y a aussi ce que tu disais tout à l'heure, de cette espèce de rigueur, alors qui est toujours à affiner, hein, parce qu'on a des trucs un petit peu pétés des fois dans la dynamique, le personnage qui peut se coincer et tout. Mais il y a quand même cette rigueur du saut. Cette logique de nuancier de saut très très Mario-esque, on va dire, qui marche quand même bien. Donc ça vous montre vraiment, avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure, que ça peut vraiment fonctionner, quoi. Même avec une intention de game design qui vient Et plutôt de après, faut être quelqu'un qui est vachement. orienté illustration. Pardon, j'avais terminé, excusez-moi. Ouais, non, après, faut être vachement débrouillard dans le sens où, par exemple, typiquement, petite anecdote, dans le petit robot là, il a à la base, en fait, moi, alors j'ai utilisé une marionnette qui existait déjà, sauf que j'ai complètement changé son look et tout et tout. Et en fait, donc j'ai changé aussi tous ces réglages parce qu'on ne se contrôlait pas comme ça à la base, donc en fait, je l'ai complètement changé au final. Elle avait en fait deux lampes qui projetaient de lumière à l'avant. Ah, ok. Et moi, j'ai eu l'idée du coup de les orienter vers le bas. Parce que, comme on le sait, c'est quand même plus sympa dans un jeu de plateforme. Surtout dans le mien, c'est hyper utile. C'est même assez primordial. Il faut arriver à voir où on va tomber. Donc, en fait, on a besoin d'une ombre qui se projette sous nous, sous Ouais, nos bien sûr. pieds, pour voir où on va tomber. Donc, ça, en fait, j'ai pu le faire juste en orientant les deux lampes qui projetaient vers le bas. Donc, ça permet d'avoir quelque chose qui nous aide. Il a l'air Un d'avoir plein de bugs. très gros écueil, hein, de façon des plateformeurs en général, hein, de ne pas avoir cette ombre gérée suffisamment bien d'ailleurs.
Moi, j'ai une question du coup pour toi, Michael, par rapport du coup à ce qui a Michael. été fait. Ouais, par rapport à ce qui a été fait automatiquement, si tu l'as trouvé. Typiquement, là, la gestion de la caméra, tu l'as cherché quelque part. C'est un truc qui est venu avec le marionnette et tu t'as dit, Ah je oui, prends ça ou. alors la gestion de la caméra, non, je crois qu'on peut on peut la traficoter. Moi, je ne l'ai pas fait, donc j'ai gardé la gestion de la caméra normale. Par contre, c'est là que justement, quand je disais tout à l'heure qu'il y a des trucs qui sont parfois un peu compliqués à aller chercher, typiquement, il y a deux endroits où on peut changer dans l'éditeur. Il y a dans réglage global, on peut changer certains, par exemple, la distance de la caméra et la hauteur de la caméra, ce genre de truc. Mais il y a aussi un truc qui est plus compliqué, qui est dans les options de la marionnette elle-même, où on peut changer les réglages de la caméra. Et donc, en fait, ça, ce qui est pratique, c'est qu'on peut le changer de façon contextuelle. Par exemple, typiquement, moi, j'ai un jeu. Ça a l'air complètement bruyant. Typiquement, moi, j'ai un jeu. Enfin, il y a un niveau qui est vachement. Qui est très vertical, où on fait des sauts gigantesques. Et les plateformes sont beaucoup plus basses. D'ailleurs, c'est peut-être celui-là. Non, c'est pas encore celui-là. Et du coup, ce niveau-là, je me suis rendu compte que ça posait problème parce que la caméra était trop près de lui et qu'on ne voyait pas où on allait atterrir. Et donc, j'ai pu faire un truc. En gros, j'ai mis un marqueur au début du niveau qui fait que quand ce niveau commence, quand on s'approche du précipice, la caméra s'élève pour qu'on voit mieux les trucs. Donc ça, c'est des trucs en fait que, par exemple, ça, c'est un truc que j'ai pu trouver tout seul en allant tripatouiller les réglages. Donc on peut, même sans aller changer complètement le système de caméra, il y a quand même. Il y a vraiment un niveau de customisation qui permet de s'arranger avec plein de trucs et de faire ce qu'on veut sans aller trop trop loin, quoi. Y a un truc aussi qui aide ça, de ce que j'avais pu voir, c'est qu'on peut très bien faire une boucle, voilà, de tester, créer, tester, créer, tester, créer, qui va très vite. Et on peut, si je me rappelle bien, mettre l'avatar où on veut pour tester telle ou telle partie du niveau. Ça, c'est peut-être moi qui me rappelle mal, mais je Non, crois que non, c'est le tu peux cas. placer Non, l'avatar où tu veux et après le posséder non. et faire depuis là. Ça, c'est important. Ouais, C'est important, c'est notamment pour le primordial, level oui. C'est design. Parce que quand tu fais un niveau un peu dur. même sans ça, c'est vraiment juste là, par exemple, voilà, j'ai une plateforme. Je veux m'assurer que la distance de saut, elle est optimale pour éviter que ce soit trop précis, qu'il faille être trop près du précipice avant de commencer le saut, etc. Enfin bref, tout ce Des petites petit finesses, management nuances. vraiment micro, c'est Ouais. nécessaire en LD. Et c'est même pour ça que la plupart du temps, quand on fait un jeu, surtout de Caché. plateforme, on se crée un outil. On se crée un outil, même nous, en dev sur Unity, Unreal, machin, qui va nous permettre de mieux gérer ça pour qu'ensuite les level designers puissent faire leur niveau et les tester plus efficacement. Ça, c'est primordial. Et Alors, d'ailleurs, petite question toute bête, Michael, intuition, j'avais même pas remarqué avant de voir le jeu autant jouer. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de Pikmin? Parce que je me disais, le mec en mode astronaute, un petit côté Olimar en fait, en plus de en fait, l'habillage des niveaux ou pas en du vrai, tout? j'ai pas forcément pensé à Pikmin, non, mais c'est vrai que Ouais. si le perso fait penser un peu peut faire penser un peu à Olimar, Ouais. ouais. Après, non, au niveau de l'histoire, c'est plutôt Westworld en fait qui est Pikmin. Oui. C'est une histoire un peu dark, mais il faut terminer pour. Déjà, l'histoire est un peu planquée, parce qu'en fait, il y a des. Comme on l'a vu, là, j'ai planqué Des petits des petits messages trucs en fin de qui niveau. donnent du texte, et en fait, du coup, ça donne un côté un peu exploration. Du coup, on peut faire le jeu en mode speedrun ou en mode exploration, en fait, quoi. Désolé, Bah, c'est plus ah. fort que moi. Bah Ouais, c'est tout pour. venez à GD Night proposer votre concept de jeu que Germain le dégomme. Non mais Venez. ça j'étais en train en fait, j'interrompais pas mais j'étais en train d'explorer ça, c'est que oui effectivement ça rejoint notamment la question de la caméra, Ouais. c'est que du coup si tu ne sais pas le faire ou si t'as pas envie de le faire, ça propose des trucs automatiquement. Et en fait là ce que je regardais c'est à quel point les trucs automatiquement comme la caméra ou là les collisions des plateformes qui te proposent, parce que ça j'imagine que, je sais pas c'est toi qui as fait ça, la plateforme c'est toi qui l'a fait artistiquement Ouais. j'imagine. Et quand ça a géré la collision, enfin ça l'a fait tout seul, une fois que tu Oui. as fini ton truc, Bah tout là, seul, la ça t'a dit collision, ok. elle est. Oui, voilà, la collision, elle est par rapport au modèle, en fait, là. Donc, Ok du coup, aussi. c'est d'ailleurs, c'est pas idéal. Parce que, on peut, par contre, tout à fait, par exemple, grouper deux trucs. C'est-à-dire, j'aurais pu
faire un bloc plus simple, dire que c'est ça la collision, l'associer à mon modèle de plateforme et rendre le modèle de plateforme complètement transparent, donc qu'il n'y ait pas de collision. Et qu'en fait, la collision soit... D'ailleurs, je l'ai fait sur, par exemple, les objets, l'objet rouge là, qui nous tue, pour que ça marche, en fait, comme il y avait des problèmes de collision, parce qu'il y a quand même des trucs parfois qui ne sont pas très précis quand on veut faire des modèles un peu bizarres et tout. Du coup, en fait, il y a une sphère à l'intérieur qui fait la collision et pas le modèle rouge qui te tue tout le temps. Hein. Donc, on peut contourner certains problèmes. Il y a différents types de collisions, d'ailleurs, hein, parce qu'on peut choisir, on peut dire que l'objet est la collision, enfin, qu'il y a une collision physique. On peut, par exemple, la collision... Alors ça, c'est un autre aspect qui est important. Alors, par rapport à la façon dont on peut customiser, il y a quand même un truc qui, moi, m'inquiétait et qui est un peu vrai, au final. Mm-hmm. C'est quand même que Media Molecule, ils ont une approche du jeu vidéo qui est très émergente, en fait, qui est très dans... tout est physique, tout est un petit peu, vaporeux, quoi. Voilà, bon, enfin, c'est pas des gens qui font des Mario extrêmement précis avec où le saut c'est un algorithme précis et tout. Ils aiment bien que ce soit un petit peu flottant, quoi. Leur jeu à eux. Oui, voilà, leur jeu à eux, c'est toujours des trucs un peu flottants. Et ça finit par se retrouver un petit peu malheureusement dans la philosophie de Dreams, où en fait, certains outils qu'on voudrait utiliser sont pensés de cette façon-là. Et donc, nous, on se retrouve un petit peu, parfois, à vouloir faire un truc plus précis et devoir trouver une autre façon de le faire, parce que c'est pensé comme ça. Donc, typiquement, voilà, pour les collisions. Mais ceci dit, par exemple, quand on a une marionnette, la marionnette, là, elle a des collisions, par exemple, en forme de capsules, donc qui sont plus adaptées aux jeux vidéo, où c'est des capsules, vraiment, on peut choisir la taille de la capsule. Par exemple, on peut dire que, comme dans un shoot'em up, par exemple... on peut décider que le personnage a une collision qui est plus petite que le personnage pour que ce soit plus facile, par exemple, qu'on se fasse moins toucher. Bon, ça, c'est un truc qu'on peut tout à fait faire dans Dreams sans problème. Après, parfois, il y a des trucs, en effet, qui sont un peu... où tu sens l'influence de leur approche un petit peu des jeux vidéo qui vient un peu rendre plus compliqué certaines choses que tu veux essayer de faire, quoi. Mmh. Est-ce qu'on passerait pas à un autre jeu, du coup Ouais, parce qu'il a du mal. Oui. Ah, moi je cherche à voir tous les problèmes. Hein. Mais non, mais en vrai, c'est très amusant à voir. Cette caméra là, elle est pas ouf du tout, par contre. Hein. Tiens, je vais sauter par là, c'est très bonne idée ça. Ouais, non, mais parce que moi j'ai personnellement, moi du coup, j'ai complètement assumé le côté Mario Sunshine. C'est-à-dire que pour moi, un jeu de plateforme en 3D, en fait, ce jeu là, pour des gens qui n'arrivent pas à jouer au jeu de plateforme en 3D, il est horrible. Parce que tous les trucs qui sont compliqués dans les jeux de plateforme en 3D, à savoir. De jauger la distance des sauts et de gérer la caméra, le jeu est complètement fait pour... Il faut apprendre à faire ça, sinon on n'y arrive pas. C'est-à-dire que dans ce jeu-là, il faut en permanence bouger la caméra pour avoir un bon point de vue, pour arriver à faire les sauts de plateforme comme il faut. Et je sais que par exemple, dans Mario Sunshine, les niveaux un peu compliqués, là, les niveaux spéciaux qui sont un petit peu... les niveaux plus courts, là, voilà, il faut en permanence changer la caméra, sinon on n'y arrive pas. Donc ça, bon, ça, j'ai assumé ça complètement pour le coup. Après, c'est bon. Après Mario... il y a des gens qui n'arriveront pas du tout à y jouer, quoi. Après, dans les Mario, il y a un truc qu'ils font, et même depuis Sunshine, et justement, dans ces moments où on a un cylindre à grimper en faisant le tour comme ça, en mode colimaçon, la caméra se centre, en fait, elle cible l'axe centre de ce cylindre. Ouais. Et accompagne le joueur en tournant. On peut toujours bouger la caméra, mais très souvent, il y a ces mouvements, on va dire, comportement logique de la caméra qui va, sans pour autant enlever le contrôle au joueur, l'aider en se replaçant de manière à ce qu'il n'y ait pas. Ouais. Parce que là, en soi, vraiment, c'était vraiment un moment précis, un instant T, où on ne voit rien du tout. Et ça peut être justement détecté par la caméra qui va se déplacer, histoire de ne pas avoir de cassure dans le rythme, notamment dans un jeu qui se veut avec un potentiel de speedrun, ça peut aider. Mais après, voilà, il y a un hélicoptère là ou quoi? Ah ouais, c'est marrant, ouais, comme élément de sound design. Ouais. Ou alors c'est Rayman qui est en train de passer par là. C'est ça, petit clin d'œil. Moi j'entends pas le son de la PS4 en fait. Il y a un petit... Oui, c'est normal. Ouais. Non, mais c'est normal, nous. Oui. C'est de notre côté qu'on entend tout ça.
Je te laisse, Germain, peut-être lancer un autre jeu pour qu'on puisse avoir tranquille. Après, juste alors, par rapport à la question sur, par rapport à la question sur les caméras, il y a une possibilité. Alors, moi, je ne l'ai pas fait, mais il y a un truc qui est possible. Par exemple, c'est mettre des pointeurs de caméra. C'est-à-dire que on peut tout à fait faire un truc dans Dreams où on arrive dans une zone, qu'on arrive à un certain endroit, la caméra va, comme si c'était un jeu avec des points de vue fixes à Resident Evil, la caméra va se mettre à un certain endroit quand on est dans cette zone-là. Donc, on peut tout à fait faire une approche plus comme Nintendo fait maintenant. Où ils essaient d'optimiser les placements de la caméra pour que ce soit toujours pratique pour le joueur, quoi. Donc ça, c'est parfaitement possible de le faire comme ça. Donc ça, c'est cool. Là, c'était vraiment ta volonté, comme tu disais. Ouais, on aura au moins le premier niveau. Ça vous donnera une petite idée de l'habillage et de la volonté. Bon, c'est un petit peu dommage, hein, parce que moi, pour avoir vu les autres pré-blocage, ça aurait été cool de voir le reste, mais bon. Après, ils sont disponibles en mode vidéo en ligne, Michael? Ouais, il y a des vidéos Bon. Bon, bah, vous fouillerez en ligne au besoin si vous voulez voir le reste. Alors, on va lancer le premier niveau, du coup, je pense, pour te faire une petite idée. Le follet? Ouais. Yep, Ouais. c'est parti. S'il te plaît. Ouais, du coup, il y a une intro, c'est un jeu assez narratif. Alors, un des trucs marrants, enfin, une des difficultés, par exemple, dans Dream, c'est que si on veut faire un peu un petit film qui est découpé, genre clip ou intro, bah, comme si on veut pas qu'il y ait de chargement pendant l'intro, il faut faire une seule scène avec toutes les scènes de son petit film. Ça veut dire qu'en fait, là, par exemple, que vous voyez là, toutes les scènes sont les unes à côté des autres. Alors là, c'est juste un autre plan de caméra sur la même scène. Mais en fait, quand il y a différents décors, là, en fait, ils sont tous les uns à côté des autres dans l'éditeur. Et c'est juste la caméra qui change de place pour montrer un autre. Comme ça, c'est juste à côté, en fait, et la caméra s'est juste déplacée pour montrer ça. Parce que c'est la seule façon de faire, sinon il y aura un temps de chargement. Si on veut un truc qui soit un peu fluide, Et tu mets un Donc, filtre c'est en des fait, petits en gros, challenges tu qu'on doit trouver. mets du noir devant la caméra, le temps de déplacer la caméra et ensuite tu l'enlèves. Ouais, voilà. Parce qu'il y a un outil. Transition où on peut faire des fondus comme ça, donc on utilise ça ouais, pour planquer la disparition. On nous Et la demande si les caméra en temps de plus, chargement sont longs. c'est. La Bah, sur caméra, tu allais PS. dire, Mickaël? Oui, la caméra elle se déplace vraiment. Elle sait même pas qu'elle disparaît, qu'elle réapparaît, c'est que vraiment elle se déplace hyper vite pour aller là-bas, quoi. Elle court pour aller à l'autre endroit. Donc c'est assez artisanal. Et non, et oui, je sais plus si tu demandais un truc par rapport au temps de chargement. Ouais, est-ce que les temps de chargement, de manière générale, sont longs entre les scènes? Ils sont pas, ça dépend de ce qu'on attend. Ils sont pas hyper longs, mais ça va un peu casser le truc si tu veux. Voilà. Enfin, voilà. Typiquement, on a vu un temps de chargement. Après, là, je sais pas, on est sur PS4 ou sur PS5 là. PS4. Parce que sur PS5, par contre, ils sont hyper courts maintenant. Ils sont quasiment plus là. Après, il y a aussi le fait Alors là. qu'on a de la musique en soi là sur le petit film. Si il y avait le chargement, ça casserait la musique en soi. Oui, voilà, on pourrait pas, par exemple, on pourrait pas avoir une musique qui resterait, donc ça casserait un peu. Donc on est un peu obligé de faire, si on veut faire son film, on est obligé de tout faire dans un seul endroit. Donc c'est le Donc même là, principe. jeu, pareil, jeu de plateforme un peu de. Sur la même idée au niveau du gameplay, c'est-à-dire qu'on peut faire les niveaux assez lentement. Là, c'est plus Ouais. basé sur les pick-up qu'il faut ramasser. Donc c'est un truc de trajectoire et de rythme. Par exemple, typiquement, il faut appuyer sur R1 pour prendre le truc violet. C'est là. Et du coup, donc faut appuyer sur R1 normalement, ou sur. Ouais, R1 juste avant. Et après, c'est juste un truc de rythme Ah, c'est ce et que j'ai de fait, hein. trajectoire pour arriver à bien faire les sauts. Et c'est pareil, c'est assez sympa quand on arrive à aller vraiment vite. Il y a un côté aussi assez sonique pour le coup. Et il y Désolé, en enfin, est. encore sonique. Et on refera une. Parce que de toute façon, malheureusement, il n'y a que le premier niveau, mais on refera peut-être une boucle en mode vraiment speed, puisque Germain va devenir speedrunner officiel du jeu entre-temps. Mais en gros, il y a une espèce de filtre un petit peu qui donne ce côté un petit peu grisant de vitesse. Pensez par, vraiment, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais à ce qu'ils avaient injecté dans Gears of War sur les moments de speed, un petit peu caméra à l'épaule. On est un peu dans ce genre de délire là pour ceux qui sont en replay, en podcast. Et ça me permet aussi de préciser pour celles et ceux qui nous rejoignent, bah déjà de vous remercier, vu qu'on est en live, hein, je reprécise toujours ceux qui nous écoutent en replay, en mode podcast. Et rejoignez-nous tous les lundis à 20h. Et surtout, on est avec Mickaël, donc il y a Orioto, de son pseudo, qui a travaillé effectivement sur plusieurs jeux autour de Dreams, qui avait même fait partie, on va dire, la
core team qui a eu le macaron officiel Media Molecule Sony, hein, parce que tu avais présenté d'ailleurs les jeux à l'occasion de certaines ouais. promos pour Sony Media Molecule. Et on décortique avec Germain aux manettes et Greg et moi-même Mehdi le game design de Dreams. Voilà, vous savez tout. Donc là, il n'y a pas d'étoiles. Et pareil, il y a des étoiles normalement quand on va suffisamment vite. Donc faut prendre, enfin pour aller pour avoir toutes les étoiles, il faut prendre toutes les orbes et aller hyper vite. Alors là pareil, c'est, par exemple, ça c'était. Alors j'ai été aidé là-dessus par quelqu'un. Sur la map, tu veux dire? Sur tout le jeu. Toute la programmation du jeu dans Dreams a été faite. Parce qu'en fait, mine de rien, le jeu a quand même une programmation un peu plus complexe qu'un truc de base de Dreams. Il y a tout un système de scoring. Il y a un système de justement de sauvegarde d'informations qu'on retrouve sur la carte et tout. Et par exemple, la carte, typiquement, elle est. On a eu un. Alors, ça, c'est il y a des limitations un peu cachées dans Dreams. Je vais vous révéler un truc. C'est que ça, en fait, ils ne nous disent pas trop, mais il y a des limites. Et que quand on tombe dessus, bah, on est un peu bloqué après. C'est que nous, on voulait avoir des cartes comme ça. Donc là, j'ai fait ma carte en 3D, tout ça. Et puis, en fait, il y a tout un tas de variables là, parce que du coup, il y a énormément d'informations sur chaque point de niveau. On a des informations qui collent à, au score du niveau, à tout ça, à plein de trucs. Il y a plus l'histoire, plus plein de trucs. Et en fait, on a réalisé que Dreams a une limite de 100 variables, en fait. Et que quand on a dépassé les 100 variables, ça ne sauvegarde plus les variables. Ah, c'est intéressant, ça. Donc, du coup, ouais. Et du coup, quand on découvre ça, on se rend compte que tous nos systèmes de map, en fait, ils ne fonctionnent pas et qu'il faut faire autre chose parce que on avait 5 mondes, donc on avait plusieurs maps et chaque map était déjà à presque une centaine de variables parce qu'il y avait toutes les informations, tous les niveaux, plein de trucs. Donc on a déjà complètement dépassé la limite, on pouvait plus sauvegarder, c'était bloqué. Après le premier monde, c'était bloqué. Est-ce que la Dream Teams, histoire de pouvoir placer le jeu de mots, était trop beau et trop suggéré dans le chat, peut expliquer très simplement ce que c'est que les variables que tu évoquais, Michael, justement, pour ceux qui sont vraiment assez néophytes en GD, en prog? Alors, une variable, c'est quelque chose qui peut varier. Voilà, vous pouvez me retrouver tous les soirs. Merci. Une variable, c'est une. En fait, c'est une. C'est un stockage de données, en gros. Et l'idée, c'est que la variable va avoir un type et une valeur. Le type de la variable, c'est ce qui va permettre de définir, bah, finalement, quel type de valeur il va pouvoir prendre. Par exemple, un int, ça va prendre des nombres entiers, donc pas de virgule. Un float, une variable flottante va pouvoir prendre des nombres à virgule. Un string va pouvoir prendre des chaînes de caractères, donc du texte. Voilà, donc en gros, c'est ça des variables. C'est ce qui va nous permettre vraiment de récupérer des données. Donc on va pouvoir les prendre pour donner à la variable une valeur, pour ensuite réutiliser cette valeur plus tard. Et je te coupe un truc très important dans Dreams, parce que mine de rien, sinon on ne pourrait pas faire des RPG ou des trucs comme ça, c'est qu'on peut sauvegarder les variables, les garder d'une scène à l'autre. Parce que bien oui, sûr, si ça. On ne pouvait pas faire ça, on ne pourrait pas garder des caractéristiques qui augmentent ou un truc comme ça. On peut sauvegarder les variables. Mais il faut savoir que voilà, il y en a 100 au maximum. Ce qui est assez limité, ça va vite, mine de rien. Ouais, 100 variables, oui, c'est exposé assez facilement quand tu fais un jeu, c'est sûr. Bah, c'est surprenant, sur je pense. Les booléens, pour info, c'est des variables qui sont soit vraies, soit fausses. Voilà. C'est juste, juste de savoir ça. C'est des interrupteurs, grosso modo. Enfin, souvent, ça sert à interrupteur. Typiquement, en fait. pour débloquer les niveaux, quand on a terminé un niveau, on peut faire le niveau d'après. Bon, bah, il faut ce genre de variable. Donc, ça va très vite, en fait. On a toujours tout de plein. Et donc, nous, on a dû, du coup, simplifier après les maps en ayant moins d'informations, en faisant juste un truc où on. C'est un hub où on choisit son niveau et puis voilà quoi, en fait. On a vachement simplifié et tout. Parce que, donc, c'est là qu'en fait, Dreams, c'est aussi le truc, c'est qu'en fait, Dreams. Ça promet un peu la lune, mais au final, dans le détail, c'est quand même pas du tout léger. Comme, enfin, en termes de au niveau, en fait, c'est très impressionnant ce qu'on peut faire graphiquement, mais au niveau de la programmation, on peut faire plein de trucs sympas. Mais en fait, si on essaie de faire un jeu vachement complexe avec des milliards de trucs, on va tout de suite rencontrer plein de limites à plein de niveaux, en fait, quoi. Oui. C'est quand même beaucoup plus. Si on compare ça à d'autres jeux, c'est-à-dire si on compare ça, je sais pas. Si on va chercher Assassin's Creed sur PS4, c'est des moteurs qui sont beaucoup plus performants parce qu'ils peuvent faire des milliards de trucs. Alors en fait, Dreams, c'est un moteur qui est en fait
hyper hyper lourd, parce qu'en fait pour faire quatre trucs tout bêtes, il a déjà utilisé la moitié de ses ressources quoi, en fait. Donc c'est pas du tout un truc qui pourrait être utilisé dans un vrai jeu au final. Donc ça c'est un peu, bon voilà. Un peu alors je vais nuancer un peu, parce que tu dis c'est un truc qu'on peut passer dans un vrai jeu. En fait c'est des vrais jeux. Tu peux utiliser dans des vrais jeux, mais dans les vrais jeux Media Molecule, c'est-à-dire tout ça. C'est que le... Enfin, même pas tous les jeux Media Molecule, mais c'est très... En fait, ça, oui, c'est que c'est très axé Media Molecule. Si tu veux exploiter le truc à fond, tu dois faire un jeu à leur manière. Ouais. Ce qui est à la fois un peu dommage et frustrant, et à la fois reste, on va dire, dans la cohérence de tous les éditeurs de niveau. Typiquement Mario Maker, qui est un des éditeurs de niveau, avant Dreams, qui a été vendu comme juste un éditeur de niveau. Et tu peux faire que du Mario avec. Et en fait, tous les éditeurs, que ce soit de niveau, que ce soit des trucs plus larges que niveau, c'était toujours soit dans la lignée de l'éditeur, soit dans la lignée d'un type de jeu et tout. Et au final, Dream s'inscrit là-dedans, et tu peux faire des jeux. C'est fait pour être opti et permettre des choses incroyables quand tu restes dans le style Media Molecule, ou en tout cas dans ce qu'ils te vendent comme étant le style Media Molecule. Sauf que Dreams ne te dit pas que si tu veux exploiter le truc, tu vas finir par faire du Media Molecule, sinon tu pourras jamais aller à fond. Voilà. C'est vrai. Mais tu peux faire de très bons vrais jeux. Pour illustrer ça, en plus, après, on pourra montrer effectivement. C'est un jeu qui a été fait sur Dreams que j'avais sélectionné, que Germain puisse vous le montrer. On va pouvoir montrer finalement la différence entre le jeu dont est inspirée la création sur Dreams par rapport à ce qu'ils ont réussi à faire avec les limitations. Donc là, voilà, on parle de 120 variables max. 120 variables, c'est par scène ou par projet ? Enfin, par jeu. C'est par jeu. C'est 100, c'est 100 et c'est par jeu. Ah oui, 100, pardon. Pas 100, après, alors, peut-être que ça a changé depuis. Parce que ceci dit, c'est des limites qui sont arbitraires. C'est-à-dire que moi, j'ai discuté avec des gens de Media Molecule quand ils étaient à Paris. Ouais. Il y a certaines limites qui sont là juste de façon arbitraire et qui peuvent en fait tout à fait... Il y a même des fausses limites, même, on avait vu. Parce qu'il y a un gros souci. Ah oui, il y a un truc qui était horrible, par exemple. Alors, il faut que je me souvienne du nombre, mais il y a un truc, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais comment on peut faire, en fait ? Parce qu'en fait, quand on fait son niveau et qu'on a plusieurs scènes qu'on relie entre elles pour faire un rêve entier, un jeu entier, en fait, si je me souviens bien, il y avait une limite, je crois, que je ne dis pas de bêtises, parce qu'en fait, c'est par rapport... Non, oui, c'est dans les liens. Alors, voilà, non. Dans un rêve, enfin, non, dans une scène, je suis désolé, hein, j'essaie de me souvenir. Dans une scène, quand on peut mettre dans une scène des liens vers d'autres scènes. Par exemple, je fais un hub. Donc, je fais par exemple une carte et je vais envoyer vers d'autres niveaux. Donc, c'est-à-dire que j'ai une scène et dans ma scène, j'ai des liens vers d'autres scènes du jeu. Logique. Sauf qu'en fait, il y avait une limite. Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais c'était genre 20. On ne peut pas mettre plus de 20 liens ou plus de 10 liens même vers d'autres niveaux dans une scène. Ce qui peut être un gros problème quand même dans un jeu. Parce que typiquement, ça veut dire que je ne pouvais pas faire une... Par exemple, si je veux faire la map de Mario World, où j'ai tous les niveaux qui sont accessibles sur une map, c'est un truc que je ne peux pas faire dans Dreams. C'est pour ça que j'ai été obligé de faire une map en plusieurs parties, parce que je ne pouvais pas faire une map avec tous les niveaux, parce qu'il y a une limite à ça. Et en fait, ça, il m'avait expliqué, c'est une limite complètement arbitraire. C'est-à-dire qu'en fait, alors, il y a une raison à ça, d'ailleurs. C'est parce qu'ils veulent qu'on puisse préloader les niveaux pour qu'il n'y ait pas trop de temps de chargement. Par rapport à ta question sur le temps de chargement, comme on doit pouvoir préloader les niveaux, du coup, ils voulaient limiter le nombre de niveaux qu'il y avait à préloader. Donc, il ne veut pas qu'on mette 100 liens vers des niveaux dans un niveau. Du coup, il y avait une limite de niveau. Mais ça, c'est par exemple, c'est très, très contraignant au niveau du game design. Ça pense, tu es obligé, quand tu fais ton jeu, de tout de suite te dire je sais que je ne pourrais pas renvoyer vers, plus de. Si je veux 30 scènes différentes qui peuvent. Si je veux faire un hub ou un truc où je peux me promener dans différentes maisons, je ne peux pas le faire parce qu'il y a une limite par rapport à ça. Donc, tu es obligé de penser ton jeu complètement différemment par rapport à ça. Quoi. Je sais pas. Alors, si on nous demandait juste avant ça l'effectif. Il y a plusieurs chiffres, hein, c'est-à-dire que Wikipédia nous parle de 47. Le site de Team Media Molecule, si vous comptez vraiment tout le monde, donc la partie share, partie Q&A, etc., s'élève à un petit peu moins d'une centaine de personnes.
Donc, Mais c'est un petit peu ils variable. sont environ 50 Ouais. à faire. Ça, parce Vraiment que à créer, ouais. 47 est au moment d'une interview et d'un article, donc ça change entre-temps. Mais grosso C'est modo, ça. je crois qu'ils sont restés autour de 50 personnes qui étaient vraiment directement sur le jeu. Ce qui est assez peu, mine de rien. Hein. C'est pas un nombre aberrant, surtout que du coup, ça fait même pas un seul studio. Tu prends les gros studios comme EA, Ubisoft ou Rockstar, il y a plus, y a, qui ont à chaque fois plusieurs studios, plusieurs étages. Ça fait même pas un studio en fait. J'ai dans les gros trucs, donc c'est assez peu. Et comme on nous le précise, ça varie évidemment en fonction des phases de dev. Et bien entendu, on en parlait aussi la dernière fois avec Neocab et Germain, qui effectivement étaient assez agréablement surpris du nombre un petit peu réduit de la team sur Neocab. L'émission est dispo hein, en replay, évidemment, si vous voulez la voir. Et ben, pareil, hein, il y avait des quand même, j'ai été revérifié a posteriori, il y avait quand même des gros pics, évidemment, sur les phases conséquentes. Puis dernière petite remarque, alors c'est vrai que c'est intéressant, hein, parce que c'est la volonté de l'émission KGD Night, hein, c'est de ne pas sombrer non plus dans le c'était mieux avant. On nous rappelle, d'ailleurs, c'est un game designer hein, lui-même, hein, Pomcast, hein, qui nous dit, je suis content qu'on vive avec une époque où il y a Dreams, Mario, Unity 3D ou Unreal 4, parce que moi j'ai grandi avec 3D Game Maker, FPS Creator et RPG Maker. Donc voilà, quand même eu des RPG sacrés Maker. ajouts et il faut C'est bien c'est RPG pas mal. Maker. C'est pas mauvais, mais je pense qu'il y a quand même un gap par rapport à tout ce qu'on dit de Ouais, fil tout à l'heure. moi je me suis remis, moi je me suis remis à RPG Maker parce que Dreams m'a saoulé. Il Je est suis proc, revenu précise-t-il. au. RPG Maker, FPS Creator et 3D Game Maker qui ont été mentionnés là, ouais, sont des bons outils, des très bons outils, mine de rien. Le problème qu'ils ont, et que c'est ce qui a été corrigé, entre guillemets, avec ce qu'on a maintenant, de moteurs plus généralisés comme Unity 3D ou Unreal, qui sont maintenant ouverts au public, grosso modo, c'est que les premiers moteurs qu'on avait, donc notamment RPG Maker et FPS Creator, c'est qu'ils étaient, toutes proportions gardées, assez limités. C'était vraiment avec l'optique de faire un type de jeu et de respecter toujours les mêmes règles, toujours les mêmes canons. Ce qui fait que oui, là-dedans, tu pouvais faire les très bons jeux, c'était les très bons outils pour débuter et avoir après à l'avenir des proof of concept, mais on était beaucoup plus guidé, beaucoup trop guidé vers un seul débouché. Alors que maintenant, on a avec encore une fois, Unity, Unreal et même Dreams. Ça tend à te permettre d'explorer plus d'horizons, à tenter plus de choses, mais ça implique aussi que tu es moins guidé, que si tu veux trouver des tutos, des gens qui sachent, bah, il va falloir plus chercher. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà dans le chat ou regardé des tutos pour faire des jeux, les deux trucs majeurs qu'on retrouve énormément, ça reste FPS, RPG. Et je pense que c'est héritier de ces deux ancêtres, entre guillemets, que sont RPG Maker Intéressant, et ouais. FPS Creator, c'est que du coup, c'est là où tu as encore plus de tutos, plus de gens qui débutent ou qui, de leur côté, parce que c'est pas si évident que ça de vivre du game design ou du monde du jeu vidéo, font des trucs à côté, et du coup, voilà, y a ça qui domine. Ok. C'est cool, hein. Merci pour la pression. Alors après, je suis un peu largué parce que ça rentre vraiment sur des trucs pointus. On nous fait remarquer aussi qu'en utilisant, je cite, hein, en utilisant la logique, il y a maintenant une façon d'avoir plus de 20 doorways pour une scène. Hein. Donc il y a certains tutos Ah, mais c'est apparemment, possible, ouais. certains tab C'est jives. possible, Ça ouais. te parle, Michael, en langage plus lambda, Ouais, tu peux enfin, bah traduire? non, mais ce que j'expliquais, en fait, qu'en effet, donc il me confirme que c'est bien 20 la limite. Et moi, j'avais déjà cherché à l'époque, il y a des manières de contourner. Et peut-être même que, enfin, je sais pas, moi, je me demandais même si à un moment donné, ils n'avaient pas. Mais c'est ce dont je parlais, c'est-à-dire si on veut, dans un niveau, avoir des liens vers plus de 20 niveaux. Bon, il faut essayer de trouver des méthodes et peut-être moyen de faire. Je crois même qu'en fait, la limite est fausse et qu'en fait, on peut en mettre, que juste, elles ne sont, elles, elles, le jeu nous indique qu'on n'a plus le droit d'en mettre et qu'en fait, on peut toujours en mettre. Enfin, à un moment donné, j'avais vu ça aussi. Ça a changé Animal Crossing, Citram. Je m'adressais à notre régisseur de talent qui nous a rejoint. RPG Maker, c'est très bien pour apprendre à utiliser justement les variables, tout. Il y a pas Ouais. mal de faire. Il y a pas mal de trucs qu'on peut faire dans RPG Maker, y compris on peut scripter plein de trucs. Ça t'apprend à t'organiser aussi, quand même. Ça t'apprendra. Donc, bah, très bien. Qu'est-ce que vous vouliez rajouter d'autre, monsieur? Mais Un jeu, on était peut-être? parti sur justement voir un remake. Ouais. Et du coup, Greg m'en avait Ah mentionné oui. deux. Tu veux qu'on commence par lequel? Ou qu'on Effectivement. fasse lequel? Le Final Fantasy? FF7.
Allez. FF7, parce que comme ça, je vais pouvoir montrer le, enfin, faire la transition avec le Mario 64, vu que je l'ai aussi sur à Team Time. Ça va permettre de montrer un peu tout. Alors... Wow. Il n'y a pas un tuto ou rien, d'accord. Non, 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 non. À l'aide. Tu connais pas FF7? Pas de tuto, limite break direct, qu'est-ce qu'il y a? Mais j'appuie sur les touches et il veut pas. Alors je suis assez. J'aime Au l'animation. pire, après on aura la vidéo, mais. Les gros fans hardcore vous diront que l'animation n'est pas mauvaise, c'est un clin d'œil au squat de Cloud. Mais c'est pas de l'animation, c'est un translate, ça. C'est ça. Même toi, Il faut ça t'est savoir que arrivé, aussi quoi. d'animation de. C'est assez difficile. C'est un truc par exemple, dans Dreams, il y a très peu de gens qui arrivent à vraiment faire des belles animations. Et en fait, il y a un système d'animation un peu procédural, physique, que la plupart des gens utilisent en fait, pour avoir des résultats. Mais on peut vraiment animer quelque chose image par image et faire des choses compliquées. Mais là, du coup, faut quand même un peu savoir le faire, quoi. C'est quand même assez complexe. Oui, il n'y a pas de. Je crois pas, peut-être que je l'ai loupé, mais il n'y a pas de système de squelette que tu peux bouger comme un rig dans Dreams. Il y a des systèmes d'images clés en fait, quoi. Tu animes tout avec des images clés. Donc je sais pas exactement comment ça marche, moi j'ai jamais fait dans un logiciel 3D, mais tu as ton squelette et tu peux dire que quand tu crées une animation où le bras va se déplacer à un terrain droit et tout, et il y a une certaine logique dans le squelette qui fait qu'il va bouger d'une certaine manière. Donc il y a un système d'animation, mais peu de gens arrivent à faire des bonnes choses avec. Alors moi, comme d'habitude, moi je me suis débrouillé, c'est-à-dire que. Par contre, il y a un système physique qui est sympa, c'est-à-dire qu'on peut mettre. Il y a en fait, y a un, parce qu'en fait, il y a des modèles et il y a des peintures en fait. Il y a la différence entre les deux. C'est-à-dire que la peinture, c'est D'accord. des trucs quand on dessine un truc en 2D et on Ouais. peut greffer de la peinture sur un modèle. Et la peinture, on peut la rendre physique. Donc ça veut dire qu'on peut faire genre un vêtement qui va bouger avec le vent. Et par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que dans Feu Follet qu'on a vu tout à l'heure, mon personnage, il est très mal animé. Mais comme il a un vêtement qui est composé de, je sais pas, 45 bouts de tissu qui bougent, qui flottent dans tous les sens. Du coup, ça fonctionne super bien. Et on voit pas du tout qu'il est très bien, très mal animé en dessous. Donc, faut trouver des méthodes pour se débrouiller. Mais faire des animations avec un squelette qui soit Ouais. vraiment belle, il y en a peu dans Dreams quand même. Hein. C'est compliqué. Hein. Donc, c'est des gens qui connaissent vraiment très bien l'animation déjà. Ça revient à ce que disait Germain, ouais, effectivement. Et que du coup préfère utiliser l'autre des vrais logiciels. Voilà, en Utilise général. L1 et R1. Greg, tu disais, pardon? Ouais, là c'est juste pour voir par rapport au remake qui est fait sur Dreams. Appuie sur L1, R1. Attends, je baisse le son dans mes oreilles, ça me rend fou. Apparemment, il y a un remake de Outrun. Hein. Alors, pas ce soir, mais je serais curieux d'aller voir en off. Merci pour la précision. Dans Il y en a le beaucoup, chat. des remakes, il y en a beaucoup, beaucoup. Tu me dis quand t'es prêt, Germain. Ouais, vas-y. Ok. J'imagine. Je vais essayer d'agrandir un peu parce que là, de mon côté, c'est un peu petit. Parce que moi, pour le coup, j'ai joué au remake. Donc, tu vas faire L1, R1. Normalement, ça va te permettre. Ou R2, L2. Plutôt, tu Non. vois, Tifa, Barrett. Ouais, mais c'est tout ce que je fais, je peux pas, ça change rien. Ils l'ont pas mis. Damned. Va sur. Et normalement, je crois que tu peux changer. Tu peux passer de l'un à l'autre. Je suis bloqué. Ouais, bah écoute, je vais filer la. La frise, tant pis. Non, mais je vais filer la vidéo directement à. On regarde Non! comment. Oh, Attends c'est pas quoi? grave, Ah, comme ça au là, moins c'est. switché sur Barrette là. Ouais, j'ai switché en fait, parce que j'ai switché, le jeu Il a eu du est. mal à ce que je switch. Barrette est comme le jeu, il est en PLS. Ouais, bah attends, je vais filer la vidéo, comme ça on va pas perdre de temps là-dessus. Ouais, voilà. Hop, donc si Pram, mon cher, la vidéo. Et du coup, ça permet d'embrayer sur un sujet qui est très important aussi, et que là, bah, visiblement, n'est pas évident à gérer. Sur les. Quand tu fais un éditeur de niveau, et quand tu fais un jeu, à un moment donné, oui, c'est vrai qu'il faut pouvoir tester les différentes chunks, les différentes parties, et puis après tester la continuité. Il faut aussi donner une certaine facilité pour pouvoir débugger, pouvoir corriger ce qui ne va pas. Et de ce que j'ai vu, là c'est un exemple de truc qui n'a pas été débugué, mais de ce que j'ai vu même de mon expérience sur Dreams au début, c'est loin d'être le meilleur outil pour débugger en fait. Tu peux retrouver où ça bug, mais pour corriger tes trucs et tout, ça t'aide pas du tout en fait. Le jeu continue de présenter le truc
tel qu'il a toujours été. Après, c'est la limite du truc, c'est pas professionnel. Ouais. Hein, donc, Ouais, mais justement, en fait, parce que si t'étais professionnel, que tu passes une demi-heure à chercher où ça marche pas, bah ça fait partie du jeu, entre guillemets. Mais bon, un truc qui est aussi ouvert, et putain, il fait n'importe quoi. Un truc qui est aussi. Qui est aussi à destination du grand public, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça aurait été vraiment. Continuer à faire cette démarche de simplifier les choses, que d'essayer de pointer où est-ce qu'il y a de la merde. Le problème, c'est que ça devait sans doute demander beaucoup plus de logique et système à développer derrière en ce qu'on appelle en back-end pour les devs et pour essayer de comprendre où est-ce que ça n'allait pas. Et du coup, ça n'a pas été fait. Mais ce qui fait que si ton jeu ne marche pas parce que tu débutes, ce qui est tout à fait logique, hein, ce qui est tout à fait normal, si vous débutez, faut pas s'attendre à ce que ça marche du premier coup. Ou est-ce que ça marche tout court. Mais ouais. Du coup, le jeu, vous n'êtes pas du tout, le jeu slash éditeur, vous n'êtes pas du tout à savoir où est-ce que ça ne va pas, qu'est-ce que vous avez mal fait. Si vous avez programmé n'importe comment votre système de vie, il ne va pas vous dire « Attends, c'est chelou, tu lui as mis des vies négatives. Ouais, » Ça va juste te laisser faire. Mais ceci dit, après, alors oui, en effet, sur des choses comme ça, c'est difficile, mais il y a peut-être des outils qui sont... C'est un possible intérêt de Dreams dans l'autre sens. Il y a peut-être des outils qui ont été faits par des gens qui sont disponibles dans un moteur de recherche qui peuvent aider pour ça, par exemple. C'est pas impossible. Par exemple, au moins, il y a des outils de débogage qui doivent exister, qui sont faits par de la communauté de Dreams, ça, j'en suis sûr. Certainement, oui. Tu fais tellement gueulerie, le Barrette. Craig, tu veux dire ? Ouais, là, par exemple, juste pour... parce que... Hop, on parle beaucoup de technique. je voulais juste dire là, effectivement, répondre un petit peu aux questions qu'il y a eu, notamment par rapport aux licences. Dreams, au final, tu fais un peu ce que tu veux parce que tu ne vends pas ta création. Oui. Ouais. Donc de base, tu peux voilà, faire un remake de FF7. C'est pas pour autant que Square Enix va s'énerver. Alors surtout pas contre toi parce que de toute façon, tu as utilisé Dreams et c'est tout, tu as fait des trucs avec Dreams. J'ai rien fait, monsieur le commissaire. Voilà, mais en tout cas, ils vont pas aller s'énerver contre le. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de. Il y a pas trop de... Enfin, c'est pas que pour ça, mais c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de marketplace. Ouais. Parce que les gens, du coup, voulaient vachement qu'on puisse commercialiser un peu le truc. Mais en fait, ça pose tout un tas de problèmes. D'une part, déjà, qu'il faudrait qu'il y ait un contrôle un peu de la qualité, parce que sinon, il y a des gens qui vont faire n'importe quoi, qui vont faire de l'argent, vendre n'importe quoi. Bon, ça peut être vrai sur stream aussi, sur Steam aussi, sur plein de trucs. Après, le vrai problème, moi j'avais discuté du coup avec un Français qui bosse là-bas, je sais plus son nom, qui m'avait expliqué qu'en fait le gros problème qu'ils ont par rapport au marketplace, c'est que comme on peut utiliser dans Dreams, alors je pense que c'est un faux problème, mais bon, quand Christophe Villedieu dans Dreams, ah tiens, oui, c'est lui, voilà. Quand on peut utiliser dans Dreams, normalement, je crois que je suis pas censé parler de ce qu'il m'a dit, mais bon, ça, c'est faux. Pas grave, on est entre nous. On sortira pas d'ici. En fait, comme on peut utiliser dans Dreams des choses qui sont faites par d'autres, même si en fait, alors d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais, Mehdi, en fait, j'avais pas répondu à Sam, en fait, tu disais que quand tu utilises quelque chose qui est fait par quelqu'un d'autre dans ta création, il va toujours être crédité. Et en effet, il y a un système qui fait que si on utilise quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre, qui a été partagé, il va toujours être crédité à la fin de notre jeu. Enfin, il y a toujours un moyen de voir qu'il est crédité dedans. Là où c'est un peu ridicule, c'est qu'en fait, si on utilise un truc juste... Par exemple, moi, j'ai beaucoup fait ça, on utilise un truc un peu comme base, et qu'en fait, on a tout changé, que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait, il est toujours crédité, alors qu'en fait, son truc, il n'est plus là, en fait, parce qu'on a changé le modèle, la logique, on a tout changé. En fait, plus rien. Mais il est toujours crédité. Donc, on se retrouve avec une liste énorme de gens crédités, parce qu'on a utilisé des trucs de briquet de broc, alors qu'en fait, ils n'ont plus rien à voir avec... Voilà. Mais le problème, c'est que du coup, ce que je suis en train de montrer, je sais pas si vous voyez, si mon écran est encore en live, mais voilà, je vous montre exactement ces crédits. Non, là en live, il y a uniquement les coups bas. Mais je te laisse terminer brièvement, du coup, Mika. Ouais, voilà, on a les crédits de création. Et c'est une des raisons pour lesquelles en fait c'est difficile d'avoir un marketplace, parce que comme dans sa création, il y a toujours des trucs qui sont faits d'autres et qu'on n'a pas forcément l'autorisation des autres pour faire de l'argent avec. Du coup, ça rend les choses très compliquées en fait. Parce que ça serait un casse-tête juridique un peu compliqué. Ouais, sans fin.
En tout cas, il y a plein de trucs, il y a eu plein de suggestions sur le chat, hein, merci beaucoup. Et ce que j'ai dit sur les crédits, pour rendre à César ce qui est à César, c'est dans le chat que ça a été pointé. On va doucement, parce que quand on passe du bon temps, il passe vite, et ben, on va amorcer doucement la fin, et je vais me tourner de nouveau vers Greg, parce qu'il avait spoilé au début, donc ce serait bête de ne pas en arriver là, qui avait le souhait de faire aussi un parallèle avec un autre jeu où la création elle est à part belle, hein, c'est pas le seul évidemment, mais c'était Hat in Time sur lequel tu voulais nous faire un petit parallèle. Juste avant, j'aimerais finir sur ce qui est montré là sur FF7. Ouais. Donc en fait, moi, le point que je voulais amener avant qu'on parle de technique, c'est vraiment le côté quand on recrée un jeu, on est d'abord joueur là-dessus. On a notre vision du jeu qu'on vient de jouer et ensuite on va essayer de le refaire sur ce moteur là. Là du coup, attends, hop, t'inquiète Germain, on a la vidéo cours. Je sais, je suis en train de regarder les deux. Ouais, moi je vais juste baisser le son du coup. Tac. Et l'idée en fait c'est qu'on peut voir notamment qu'au niveau interface, etc., tout a été refait comme il faut, mais bah là, du coup, c'est un problème qu'on a vu avec Germain, notamment, qui ne connaît pas FF7 Remake. Enfin, il n'y a pas joué, donc il était perdu tout de suite sur les contrôles. Les effets, etc., sont bien repris en compte. On a les barres de vie, le timer, tout est refait vraiment comme le combat qu'il y a dans FF7 Remake. Les effets, la magie, vraiment, tout est refait presque à l'identique. Si ce n'est, bon, effectivement, la patte graphique. Oui. Mais pourtant, c'est quand même très, très ressemblant. Par contre, on a tout de même une différence de fluidité de jeu. Oui. Parce que c'est pas la même caméra. Pas aussi nerveux, évidemment. Ouais. C'est pas la même caméra, c'est pas les mêmes contrôles exactement. On n'a pas les mêmes délais sur la transition. On n'a pas la même finesse sur l'analyse de tout ce qui se passe par le système. Et ça, c'est les choses qu'en fait, quand on refait un jeu, on ne peut pas avoir exactement la même chose, mais ça reste quand même un exercice très intéressant pour ceux qui veulent créer des jeux. Ouais. Parce que bah, ça demande beaucoup d'analyse, justement, pour réussir à faire quelque chose de précis. Donc là, voilà, on a pu le voir, effectivement. Là, surtout sur ce setup-là, vous pouvez voir à droite le vrai FF7 Remake, à gauche, celui qui est fait sur Dreams. On a quand même pas mal de similitudes. C'est quand même bien fait. Et donc là, moi, je vais vous montrer, c'est sur Hat in Time, tout simplement un niveau de jeu. Ouais. La possibilité de montrer un petit peu comment est-ce que c'est amené. En régie, je vais juste donner une musique. Ouais. Et on te laissera effectivement terminer là-dessus. Ça ne veut pas dire, évidemment, rassurez-vous, qu'on comprera aussi sec l'émission, mais c'est pour être dans le format effectivement du replay que nous avons habituellement de 2 heures, qu'on essaye un petit peu de s'y tenir, et on pourra toujours effectivement discuter au besoin, prolonger un petit peu. Donc à toi de jouer, mon cher Greg, ce que tu voulais nous montrer. J'ai juste filé une musique, effectivement. Ouais, histoire que ça habille un petit peu. Parce que moi, du coup, c'est vrai que je ne peux pas capturer la musique. Ouais. Bon, du coup, Hat in Time, très rapidement. C'est un jeu où, normalement, on ne joue pas Cloud. Évidemment, on joue cette petite fille-là. Jeu de plateforme 3D qui est vraiment super bien fait. Où le principe, c'est qu'on va pouvoir avoir des chapeaux. Et les chapeaux vont pouvoir nous donner des pouvoirs. Là, par exemple, je vais pouvoir courir. Là, je vais pouvoir envoyer une bombe, etc., etc. Et il y a une grosse communauté qui, par exemple, me permet d'avoir Capi de Mario Odyssey avec le même gameplay. Tout parallèle avec la coiffe actuelle en vidéo de Greg est totalement et fortuit. Fortuit, voilà. C'est fortuit, absolument, ouais. Donc là, voilà, on est sur le premier niveau de... Normalement, c'est le premier. Je crois qu'il y a deux portes dispo au début. Mais ouais. En tout cas, voilà. C'est le premier niveau de Mario 64. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir aller chercher les pièces rouges. Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui a voulu refaire le Mario 64.
Et là, déjà ici, je vois que mon personnage s'accroche. Et il faut savoir que dans At In Time, quand on s'accroche comme ça, on ne peut pas tout de suite se laisser tomber. Oui. Là où c'est possible dans Mario. Et donc... Tu galères, t'es obligé d'arriver ici, à sauter vraiment au milieu. Ouais. Voilà, c'est le genre de petit détail qui amène vraiment une difficulté quand on recrée le jeu. Ou au contraire, une forme de défi. Voilà, c'est, après c'est aussi voilà. Une forme de défi, mais... Là, pareil, par exemple, dans At In Time, voilà, je peux taper au corps à corps, ce qui n'est pas possible dans Mario 64. Donc, évidemment, le créateur doit prendre ça en compte. Enfin, je me doute qu'on ne peut pas faire ça dans Mario, les gros lasers. Bah, sauf que le modding. La personne a vraiment repris. Donc, il faut savoir que la création de niveau sur At In Time, ça se fait sur l'Unreal Engine. Donc, c'est pour ça que le style graphique est aussi exact. C'est parce qu'en fait, c'est vraiment le modèle de Mario 64. C'est assez intégré. Fou, c'est fou, quoi. C'est vraiment... là, par exemple... C'est en plus fréquent, quoi, les réappropriations comme ça, mais moi, je vois tourner ça, je me dis, c'est dingue. Voilà, là, par exemple, on a dégagé le champ. Petit détail, par exemple, de problème de design, au final... Quand la personne a refait ce niveau, c'est qu'on va se retrouver avec effectivement le même principe de points de vie. Donc on a 4 points de vie dans Mario 64. Par contre, il a pas mis de trucs pour se régénérer les points de vie. Donc forcément, donc les pièces ne régénèrent pas. Voilà, les pièces ne régénèrent pas les PV. Donc on a ce petit problème qui fait que le jeu est tout de suite beaucoup plus dur. Pareil, c'est les contrôles non pas de Mario 64 mais de At In Time. Donc, on est sur quelque chose de quand même plus fluide que le Mario 64, parce qu'il faut savoir que Mario 64, petite info, hein, c'est quand même le jeu qui a amené le déplacement relatif à la caméra en 3D. C'est-à-dire que avant, dans les jeux en 3D, là par exemple, mon personnage est comme ça par rapport à la caméra. Si je vais vers le haut avec mon stick, il est censé avancer comme ça. Ça, c'était Tomb Raider, Resident Evil, ce genre de jeu. Mario 64 a fait en sorte que on se déplace en fonction de ce qu'on voit à l'écran. Ça a révolutionné vraiment le jeu 3D, quoi. Donc là, bon, je vais tranquillement me diriger vers la fin du niveau. Notamment, on peut voir... Ah ouais, c'est ça. Bah, super, merci pour le... La vision par rapport à l'ancien jeu, c'est parfait. Je vais aller mettre justement là où il est. Sur le talent. On peut voir notamment que pour grimper sur les arbres, bon bah j'ai pas la possibilité. Toutes ces petites choses qui font que c'est pas exactement comme dans Mario, quoi. Bah déjà parce que c'est fait en utilisant un système qui peut-être ne permet pas. De faire la même chose. Donc là, je parle en termes d'éditeur de niveau en général, parce que là, c'est Unreal, donc si le système te permet de faire exactement pareil. Mais c'est compliqué à le faire. Quoi. compliqué. Voilà, c'est ça. C'est que soit tu es face à un système qui ne te permet de faire des modifs que en prenant en compte les mécaniques déjà dans le jeu, soit tu es face à un vrai système complexe qui permet de faire tout, mais si ça te permet de faire tout, bah, ça te demande aussi de savoir faire des choses. Ouais. Voilà, là, on peut voir quand même que c'est. Relativement pareil, sauf que le joyeux bordel. Alors donc à l'écran, hein, pour info, vous avez un comparo niveau de notre régie entre Mario 64. Hein. Vous l'aurez peut-être dans l'œil, sinon rien qu'une vidéo sur les internets vous empêchera pas de découvrir. Et puis vous avez donc un monde Mario 64 dans Hat in Time, donc hat pour le chapeau, parce que c'est vrai qu'on le prononce vite depuis tout à l'heure. Et en l'occurrence, là, il y a de l'inspiration croisée entre l'utilisation de chapeau à la Capi, donc qui est le Chapi Morphose dans Mario Odyssey, qui est sorti bien des années après Mario 64, et une exploration un petit peu spécifique, parce que vous incarnez le personnage de Cloud qui peut donner des coups d'épée. Donc, et une interface aussi qui va bien. Voilà, c'est vraiment. C'est vraiment un joyeux bordel, mais relativement maîtrisé vu le croisement d'influences.
Bah, surtout que At In Time permet énormément de choses pour avoir bougé, touché un petit peu à l'éditeur. Y a vraiment des possibilités assez folles. Je peux prendre là, par exemple, c'est tout bête, mais... Et on terminera là-dessus, ouais. Hop. Bah, si on termine, du coup, ah. Est-ce que en régie, j'ai envoyé... Je crois que je l'ai envoyé... Ouais, le niveau que j'ai fait, ça permet de montrer voilà, ce que j'ai pu faire en bidouillant un petit peu. D'accord. Sachant que c'est la première fois que j'utilisais, c'était Unreal Engine 3, pour info. Donc, ça fait bizarre. Et c'est vieux, Unreal Engine 3. J'ai renvoyé le lien en régie, du coup, et ça, c'est un niveau voilà, que j'ai pu faire avec, avec justement le Unreal Engine 3. On a pas mal de préfab, donc des choses qui sont déjà faites par les développeurs. Ah oui, donc les développeurs de A Hat in Time, c'est Gears for Breakfast. Ok. Pourtant de les citer. Du coup, voilà. L'idée, c'est que ce... Ça, c'est ton niveau, du coup, qu'on ce a niveau, avec moi. Voilà. Ce niveau va prendre un petit peu toutes les mécaniques et puis y aller vraiment petit à petit. C'est un niveau assez simple. C'était vraiment pour tester un petit peu toutes les possibilités. Donc, on voit notamment des belles textures cool. Bien étirées parce que, voilà, j'ai pas fait un gros travail graphique. Tout ça, c'est des choses qui sont fournies de base. Alors en vrac, on a du wall jump, on a du grappin, on a du effectivement de dash. On est beaucoup dans la logique des niveaux boss Bowser de Mario 64. Oui, il y a plusieurs mécaniques qui sont faites vraiment pour At In Time. Mais sinon, oui, c'est les inspirations, on va le dire clairement, c'est par exemple les niveaux qu'il y a dans Mario Sunshine, on en parlait plus tôt, des niveaux où on vous enlève Fluid, donc le jet. Jet, je sais plus pour les le truc qui fait de l'eau pour la francophonie, mais le truc qui fait de l'eau, on vous l'enlève et ça vous force à utiliser les mécaniques de base. Et du coup, on a ce niveau un peu flottant. Et en fait, c'est très simple d'utilisation. Faut un petit peu bidouiller, mais globalement, on est sur quelque chose de très aisé avec une utilisation de voilà de l'environnement 3D, de voir bouger les trucs, etc., les replacer, les agrandir, les rétrécir. Et franchement, c'était très agréable à utiliser. Ouais, c'est marrant en termes de feedback, parce que c'est très nerveux. Là, tu as récupéré une espèce de pomme un petit peu pourrie que tu as réanimée, qui a eu effectivement une utilité de bombe. Mais en même temps, à chaque fois, on avait des espèces de cooldown ou de temps de durée qui sont signifiés visuellement. Enfin, voilà, c'est vraiment chouette. Ça fait un moment que tu me hype sur ce jeu-là et je pense que je vais transformer l'essai d'ici peu pour ma part. Sachant que le background de niveau, du niveau, donc espèces de petites maisons tout au fond, etc. C'est customisable. Alors je sais pas si c'est pour celui-là, mais à un moment donné j'avais mis le background du niveau des chapeaux dans... Non, c'est pas celui-là, mais ça y ressemble un peu. Mais voilà, tout ça c'est customisable. Les gens font vraiment beaucoup de choses sur At In Time. Il faut vraiment s'y pencher. C'est un peu comme sur Dreams au final, hein. Il faut prendre l'outil en main, mais ça permet de faire pas mal de choses. Par contre, on reste sur de la plateforme. Ouais. Voilà. C'est la proposition. Elsienne qui demande Mario, c'est nerveux de base, non? Si on est bon, c'est nerveux, ouais. Alors Mario, c'est ça qui est assez fou dans la maîtrise qu'ils ont de leur système et des manières de faire les niveaux. On est quand même sur quelque chose de très tranquille. Au final, où on peut prendre le temps pour analyser ce qui se passe, etc. Bon, je parle bien sûr pour les premiers niveaux. Mais dès qu'on maîtrise le système de jeu, ça va super vite. Et vraiment, c'est très très nerveux et tout est au millimètre. C'est quelque chose d'assez fou qu'on a sur les Mario. Parce que justement, en termes de 3C, les gars, ils savent ce qu'ils font. Ouais.
Tu m'étonnes. Mais à part ça, Nintendo va mourir, bien entendu. Mais Ils je sortent pas de crois. jeu. Ouais, bien sûr. Mais je crois qu'on aura fait un très très joli tour. En parlant de joli tour, bah, je vais peut-être relaisser la parole de nouveau à Germain et Mickaël si vous avez un dernier mot. Et puis après, redire qui est qui et où est-ce que vous pouvez les trouver pour terminer classiquement. Germain, on terminera juste après avec toi, Mickaël. Oui, dernier mot. M'adresse, j'ai En mode l'impression de m'adresser pilote. de plus en plus dans mes derniers mots aux gens qui veulent faire du jeu vidéo, mais très important. Oui, carrément. Si c'est votre envie, que ce soit juste pour vous mettre à l'épreuve ou pour avoir encore une fois des preuves de concept, faut pas hésiter à utiliser tous ces éditeurs de niveau, quel qu'il soit. Après, bien sûr, il faudra voir selon exactement ce que vous voulez faire, si l'éditeur. Pareil, cohérent, encore une fois, si vous voulez faire de la plateforme, bah oui, prenez Mario Maker ou utilisez l'éditeur que peut fournir Atintime. Mais vraiment, utilisez les éditeurs pour tenter vos trucs, pour les mettre en forme, parce que c'est toujours. On dit souvent que les meilleurs outils du game designer, c'est papier-crayon, c'est vrai, mais il faut aussi les mettre à l'épreuve. Et si vous n'avez pas forcément un dev sous la main pour vous faire un proto, et c'est vachement bien d'avoir pas mal d'outils qui vous aident. Notamment Dreams, on revient dessus pour formuler un peu vos concepts. Donc utilisez-les. Et apprenez-moi à parler, s'il vous plaît, j'ai oublié comment on fait. Non, on va te laisser Magnifique galérer, ça fait des conclusion. vues. Michael, hein? Non, moi juste, ça me faisait penser à un jeu là, dans la série de tous les jeux un peu comme ça avec des éditeurs. Il y en Ouais. a un qui est assez peu connu, qui est hyper génial, qui est Soundshape sur PS3 et Vita et Oui. aussi être sur PS4, qui est un jeu extraordinaire qui permet de construire des blocs de niveau avec des objets qui émettent des sons, et donc on fait son niveau, donc c'est du level design, et on crée de la musique en même temps. Et c'est un jeu qui devrait vachement être utilisé dans les écoles de game design et tout, je pense. Après, Ouais. je sais pas s'il est encore disponible sur le PSN et tout, mais Il me semble que oui, mais toute petite nuance pour te laisser continuer, c'est quand même assez aride, je trouve. Quand t'as je les trouve que en premiers tout cas, contacts, ouais. c'est le fait qu'on doive à la fois chercher à faire un niveau intéressant au niveau du placement, mais que ça a des conséquences sur la musique qu'on cherche à faire. Ça permet, ça oblige à faire prendre plein de décisions. C'est assez génial quand même. Moi, Ah je trouve que oui, c'est ça un jeu assez là-dessus, génial. c'est C'est dommage indéniable qu'il ait pas eu, et. il a probablement pas eu beaucoup de succès, donc en fait, on n'a pas tellement entendu parler. Succès d'estime. Hein. Et non, Ouais. pour la blague, il n'est pas sur Steam, j'anticipe, avec Germain et Greg qui sont comme moi au taquet, au cas où. Non, non, mais blague à part, il est très chouette, mais il y a un autre jeu qui est beaucoup plus expérimental, parce que je te rejoins complètement, Michael, sur l'idée de proposer dans des écoles de GD, pour sensibiliser en tout cas, c'est Électroplancton, qui lui est beaucoup plus expérimental et un petit peu moins brique on va dire, de gameplay. Mais voilà, on vous laisse aller voir tout ça. Eh bien, écoutez, les amis, merci beaucoup. C'était très chouette. Donc, vous savez que vous pouvez retrouver sur les internets, et puis après, puisque de toute façon, ça s'adressera au replay, les endroits où vous pouvez parler à Germain, à Greg, à moi-même, mais aussi à Mickaël. Mickaël, pour rappel, donc Orioto, des illustrations hebdomadaires des mondes, des imaginaires. Parce que sur Death Podcast, on est un peu chiant, on n'aime pas dire pop culture, mais en gros, ça veut dire ça. De Final Fantasy VII à Mother 3, voilà, je te laisse un petit peu, c'est l'instant promo, si tu veux en parler, Oh, n'hésite pas. il y a tout, hein, y a tout, parce que j'ai un Patreon où les gens votent, donc en fait, ils votent pour tout un tas de trucs, y compris des séries. Là, je vais faire un poster Mandalorian la semaine prochaine, donc ça dépend Yes. vraiment de ce qu'on me demande. Donc voilà, il y a du Hadès, comme vous pouvez voir. Donc n'hésitez pas. Et puis sinon, pour nous, vous nous retrouvez, vous avez un rassemblement, si vous voulez découvrir l'ensemble du monde Death Podcast, sur le site deathpodcast.fr. Parce que là, maintenant, on a une petite vitrine et on va rajouter progressivement, dont les GD Night, en format podcast audio. On a juste à régler effectivement la dimension du RSS. Mais sinon, tout est disponible aussi sur la chaîne YouTube. Il y a une playlist dédiée, effectivement.
effectivement à GD Night, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis aussi, ça peut nous aider, même plus que ça peut, n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon, ça commence à partir de 1€, et nous, ça peut nous aider pour plein de choses au niveau de, du matériel, de ce qu'on peut améliorer globalement, comme vous avez pu voir, hein, on essaye progressivement de rajouter toujours des choses, d'avoir visuel, vous avez Citram qui vous a balancé le site de SoundCloud, donc vous avez effectivement là aussi SoundCloud, Apple Podcast, Deezer, Spotify, enfin voilà, ça demande du temps, ça demande de l'hébergement, donc forcément, par extension, ça demande des sous, donc si vous pouvez nous aider, je le répète, n'hésitez pas, ça commence à partir de 1€, et puis voilà, on va faire probablement un micro-break le temps de clore l'émission en tant que tel, vous dire au revoir pour l'enregistrement, et puis on prendra un petit temps pour ceux qui sont en live avec nous, donc n'hésitez pas à venir, hein, c'est tous les lundis à 20h pour GD Night. Ciao, ciao. Ciao.